Alors, et toi, ta femme, quand est-ce que tu vas décider à la faire venir? Ou tu préfères qu'un para la viole? C'est ce que tu veux? Pourquoi tu dis ça? Ma soeur, elle est en danger. Ton rôle, c'est de la protéger. Tu l'as promis à mon père, les Rahmo. Ici aussi, c'est la guerre. Peut-être. Mais la vraie, se déroule au bled. Avec des vraies bombes. Miloud. Bonsoir Kader. Bonsoir Miloud. Ça va? Ça va bien. Tu ne peux pas sortir ce soir? Non, pourquoi? On est encerclé par des fourgons. De notre intérêt à tous, il ne faut pas sortir. Pas de risque. C'est bien, c'est ce que je voulais entendre. Bonne soirée. Bonne soirée Miloud. Et voici la page sportive maintenant. Demi-finale de la Coupe de France. Ce soir, Monaco rencontre Reims et demain, Saint-Étienne retrouve Le Havre. Et un peu plus de 20 minutes de jeu dans cette confrontation entre Monaco et Reims. Je sais. La police peut me faire des guerres pires. Non, t'inquiète pas, il y a le match de foot. Regarde, écoute. Lequel prolonge pour Akesbi, qui s'avance et frappe à côté de la... On a 45 minutes, il faut se dépêcher. D'accord. Je voudrais comme d'habitude avec un petit plus. Je te préviens, je fais pas des trucs vicieux. C'est une robe de chez moi. Je voudrais que tu la mettes, ça me ferait plaisir. C'est vrai qu'on fait bon voyage? Je suis contente d'être là. La nuit, elle est déjà tombée. Et alors? Ici, les Algériens, ils doivent prévenir le commissariat pour les grands déplacements. Pourquoi t'as pas mis le tailleur que je t'ai envoyé? Je l'ai jeté dans le feu. C'est un vêtement qui épouse les formes. J'ai un époux, Mustapha. Je suis pas une prostituée. Il m'a coûté une fortune et tu le jettes au feu? Ici, toutes les femmes portent un tailleur. T'es à Paris, la ville lumière. Elle est où, la voiture? Elle est là. Allez, vas-y, monte. Dépêche-toi. Monte! Papier. Bonsoir, monsieur l'agent. Je vais vous expliquer. Le train de ma sœur, il a eu un gros retard. Il est resté bloqué 2 heures à Grenoble. Je m'en fous de ta sœur. Tes papiers. Pas de bougnoule dans les rues. C'est clair, non? Elle n'est pas à toi, la voiture? Non. Je travaille dans un grand hôtel. Je suis portier. Et le voiturier m'a prêté la Dauphine pour que j'aille chercher ma sœur. On va vérifier tout ça au poste. Écoutez, monsieur l'agent, soyez sympa. C'est son premier jour en France. Ben, tu vas nous suivre dans ta bagnole. Et si t'es clair, tu ressors demain matin. Marcel, il y a du grabuge à Stalingrad. Les Fels ont allumé une patrouille. Ça va aller. But magnifique de Léon Glowacki. Et rien n'est fait. Échange à 6 minutes. C'est largement le temps.
Je peux la garder, là, tu l'as pas? C'est une robe kabyle. Je te l'offre pour la prochaine fois. Mmh. Merci. Au revoir, Denis. À la prochaine fois. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un client qui va venir. C'est ta femme, celle-là? Hein? Une kahba, t'as pas honte? Moi, c'est pas kahba, c'est Denise. La solitude est un poison, Mustapha. On se retrouve chez toi, tu nous expliqueras tout. T'as compris? Qui, nous? Prenez les décisions pour moi maintenant. Tu es pas heureux de revoir ta femme? Ne réponds pas à une question par une question. D'accord. J'ai pensé qu'il était temps que je devienne un oncle et toi un père. Maintenant, si tu ne veux pas de ta femme, répudie-la, hein. C'est pas ce que je dis. Et tu acceptes que la mère nous sépare? Je travaille dur. Je supporte. Et moi, je supporte plus les bruits des bombes quand je m'endors. C'est vrai, je t'ai vu au travail tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. On peut avoir un café? Myriam, elle a fait un long voyage. Je vous ai ramené de l'huile d'olive et des poivrons cuits. Et de la galette, comme tu aimes. Je vais éplucher les patates. À Marseille. J'en ferai un tagine demain. C'est pas un légume. C'est un fruit. C'est une banane. Je savais pas. Vous allez devoir déménager. Quoi, ça se plaît pas chez moi? Si. J'ai eu De Gaulle au téléphone ce matin. Il m'a dit, sur le coup, pas de problème. Je suis un peu occupé, hein, avec la guerre, la Coupe de France. Ne t'inquiète pas, Mustapha, il va me trouver un appartement. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je dois y aller. Pourquoi tu passes pas la nuit ici? Je dois ramener la voiture. Fais attention. Avec ça, les flics ils vont me prendre pour un conseiller de l'ambassade du Honduras. J'ai rien à craindre. Habla espagnol, poquito, si, habla. Demain, Charles. Attention, hein. Non, pas ce soir, Kader. Je sens la sueur. Demain, j'irai au hammam. Y a pas de hammam ici. Tu es en France. Et les Français se lavent quand même? Évidemment. Quand je serai propre, tu pourras. Et bonne nuit. Bonne nuit. Prépare un contrat. Suivant. Allez, approche. Ouvre la bouche. Pardon? La bouche. Tu comprends pas le français? Je
pas malin. J'ai une gueule de docteur. Pour savoir à peu près ton âge. Bon, allez, on va pas passer la journée ou la bouche. Allez! Le temps que vos parents quittent vos villages pour déclarer votre naissance à l'état civil d'une ville, parfois, s'écoule plusieurs années. C'est pareil pour moi au Portugal. Sans compter tous vos cousins, là, hein, qui prennent les papiers de ceux qui sont décédés. Portugal, peut-être, pas en Algérie. L'Algérie, oui. C'est la France, jusqu'à Tavannes-Rasset. Allez, prends un sac. Il fait 50 kilos, c'est la norme ici. Allez! Allez, c'est bon, pose-le. Pose-le, je te dis. Je t'engage à la semaine, 45 francs la quinzaine, ça te va? Ça ira. Non, pas d'embrouille sur mon chantier. Hein. La guerre d'Algérie ici, on n'en a rien à foutre. Tu dis un seul mot, c'est la porte. Compris? Oui, chef. Ça te plaît, Paris? C'est beau, c'est grand. C'est grand, hein? On y retournera. D'accord. Alors ici, c'est les Oranais qui vivent. Et de ce côté-là, c'est les Constantinois. C'est un peu comme le bled, ici. Oui, oui, c'est comme un village. Tout le monde connaît tout le monde, avec des jalousies. Faut que tu fasses attention, il y a des harkis qui travaillent pour la police aussi. Hein. Par quand, d'ici? Pour certains, ça fait 10 ans qu'ils habitent ici, Myriam. C'est dur de trouver un logement en France. Ne te confie pas aux femmes. C'est ça qui crée des querelles de voisinage après. Les hommes aussi doivent se disputer quand ils ont bu. Oui, c'est vrai, oui. Et tu es de ceux qui boivent? Ça m'arrive. Pourquoi? Parce que tu me manquais. Personne. D'accord. Je rentre ce soir. Si tu as froid, tu mets un petit peu de bois. Mais pas trop. Ce soir. Courage. Avec moi, j'en ai trop. Qui est, comme on dit au bled, le meilleur plat, c'est celui qu'on partage. Je m'appelle Ahmed. Kader. Merci. On est fourchettes, c'est fait pour qui? Pour ceux qui ont les mains sales. Tu viens d'où? La petite cabine, la vallée de Soumam. Toi? Moi, je suis Sétif. Sétif? Là où la neige rencontre le désert. Ahmed! Elle est bonne ta sauce. Viens voir! Merci. Dis-moi, comment il s'appelle là, celui avec le chapeau marron là? Kader. Il fait de la politique? Non. Parle pas avec lui, il est dangereux. Quoi? C'est Harki. Il renseigne la police de Papon. C'est pour savoir. Le jour où j'aurai des preuves, il sera trop tard, j'aurai 2 balles dans la tête. Mais c'est pas lui. Oh. Ah. Comment faire? Louis, il veut que je te forme. J'ai de la chance. Non, merci. Bah, t'as plus faim? Ça va suffire si je mange trop, après je vais avoir envie de faire la sieste. Comme tu veux.
première et la dernière fois. Tire-toi. J'appelle la police. Non, vaut mieux pas. Ce sont vos frères qui vous ont frappé? Non, j'ai pas de frère. Je suis orpheline et fille unique. Ils voulaient vous voler votre argent? On va commencer par se tutoyer, non? Disons que c'est les risques du métier. Pourquoi? Vous faites quoi comme métier? Je fais un métier qui me permet de me nourrir. Bah, comme tous les métiers. Oui. En tout cas, il est bon, votre café. Comment tu le fais, toi? À la turque. J'ai un ensemble turc sur la photo de mon mariage. Et pourquoi avoir abandonné le soleil pour la pluie? Le soleil sans argent, c'est triste. L'argent avec la pluie, c'est triste aussi, tu sais. C'est bon. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Denise. Papier. Allez, contre le mur, allez. Allez, fais comme ton copain. Fais comme ton copain, je te dis. Voilà, t'as rien à te reprocher. Hein? Bon, allez, c'est bon, c'est bon. Circule. Circule. Monsieur, votre femme est très gentille. Oui, elle est très désobéissante. Elle est courageuse aussi. Elle m'a porté secours. Au revoir. Tu sais qui c'est, cette femme? C'est pas une bonne personne. Et comment tu peux le savoir, toi? Tout le monde le sait, il y a des questions qu'on pose pas. Mais elle était toute seule, Kader. Et alors? Je m'en fous! Tu rentres au bled. Quoi? Tu rentres au bled! Fais ta valise, tu ramènes à ton frère! Tu es aussi froid que le climat de ce pays, Kader. Bonsoir, monsieur le député. Merci. La France, c'est pas un pays pour elle. Écoute, commence pas à hurler, hein. On n'est pas sur ton chantier ici. Allez, suivez-moi. Dépêche-toi. Mustapha, tu as organisé l'allée, tu t'occupes du retour maintenant. Écoute, pour l'instant, je travaille. Tu cries pas, c'est le soleil, il va pas t'attendre pour se coucher. Vous vivez comme des rats avec la peur de la nuit. Par ici. Hein? T'as vu? Elle est en train de devenir comme une Française. Ne crie pas. Elle râle. Ne crie pas. Elle râle tout le temps. Écoute, ma sœur, c'est pas un colis contre un bal, hein. Tu veux qu'elle retourne au pays? Oui, je le veux. Vous allez manger, j'emprunte une voiture et je vous ramène à Gare de Lyon. D'accord? D'accord. Mange. J'ai pas faim. Bon. Comme il fait nuit, vous allez rester dormir ici, on a une chambre. Puis demain matin, tu prendras ta décision. D'accord.
مكتوبي بغاني وما هجرني كل دقيقة تكون مع سلايان ورايني ضاوية كي أول لمسة مع نجومي بدوام نجومي Alors, qu'est-ce que tu as décidé ? Je veux que ma femme reste avec moi. Baby, comment ? C'est le mec. Tu t'appelles comment ? Ziad. Je peux te faire un bisou, Ziad ? Merci. Comment tu t'appelles ? Alina. Et toi ? Moi, c'est Myriam. Tu viens d'où ? De Mernia. Gdem Maghreb. Oui, c'est ça. Moi, je viens de la Kabylie. La Kabylie. C'est très joli là-bas. Alina, ça fait mal quand tu accouches ? C'est très difficile. Il faut du courage. Il faut beaucoup de courage. Tu sais, si Dieu avait confié cette mission aux hommes, il n'y aurait plus un seul être humain sur cette terre. C'est vrai. Vous vous appelez ? Kader Bakouche, avec deux C. La liste d'attente est longue, hein? Je sais, j'ai écouté l'abbé Pierre à la radio. Mais ma femme est enceinte. Excuse-moi, chérie. Ça ne se voit pas. Il a pour l'instant la taille d'un haricot, mais il va grandir. À moins que... À moins que quoi? Qu'un rat la morde. Bon, écoutez, monsieur, le coup du rat, on le fait 3 fois par jour. Hein. Vous avez un amoureux? Oui, mais je vois pas le rapport. Un repas avec votre amoureux à quelques centimètres d'Alain Delon? Ça vous intéresse ? Alain Delon. Je travaille dans un grand hôtel parisien. Un jour où j'aurai mon logement, ce sera le plus beau jour de ma vie. J'aimerais que ce soit aussi le plus beau jour de votre vie. Ça va, chérie ? C'est son premier enfant. Bon. Remplissez un dossier, je vais voir ce que je peux faire. Mais je vous promets rien. Moi, je vous promets une soirée à quelques centimètres de l'orchestre et d'Alain Delon. Il me faut des problèmes pour acheter mon bistrot. Il faut que je trouve un moyen. Toi, tu vas à café, toi. Tu l'aimes, toi? Quoi? Tu l'aimes, toi? Qui ça? La misère! Parce que moi, je veux pas rester un pauvre toute ma vie. Kader! Faut que je te vois, viens voir. Ça va, tout va bien? Ah ouais.
Oh, Biloud, tu peux travailler un peu plus vite, non? Ah, laisse tomber les chefs, tu peux m'appeler Louis, hein. Ah, il paraît que t'as fait ramener ta femme? Ouais. Ah, tu serais pas contre des heures supplémentaires payées double? Ah non, bien sûr. Pour les avoir, c'est pas compliqué. Tu me dis ceux qui travaillent pour le FLN sur mon chantier. Je fais pas de politique, chef. Je suis juste un travailleur. Tu travailles sur ce chantier? Oui, comme tout le monde. Bah, tu vois, l'État, c'est notre client. Et puis lui, il en fait de la politique. Tu comprends? Oui, je comprends. Je suis désolé, chef. Je suis ni FLN ni Arki. Hein. Bon, écoute. Tu m'obéis, sinon je te viens. Tu comprends ça? Ridiculiser devant les gens avec ton histoire de femme enceinte. Kader, c'était pour nous rendre service. Mais j'ai pas besoin de ce genre de service, Myriam. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. En mettant ton poing dans la gueule des gens et en te faisant virer de ton boulot, hein? Il m'a demandé de trahir mes frères. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, Mustapha? Kader a eu raison. C'est ça qui rend nerveux, c'est ça. Il est où? Il y a personne, monsieur. C'est le rat, monsieur l'agent. C'est le rat qui a énervé le chien. On est que tous les trois. On est que tous les trois, monsieur l'agent. Tous les trois, il y a personne. Intelligence et ton courage, tu feras mieux de la mettre au service de ta famille, pas de votre... C'est ta colle? Oui. Moi, je ne suis pas FLN. Je suis mazaliste. Messali Hatch. Demain, je vais à la préfecture, j'annule ta demande. Je ne veux plus en entendre parler. Comment demander à un âne de penser autrement qu'un âne? Mon séjour en France n'est que provisoire, Mustapha. Cette cabane et ses quatre bouts de tôle me le rappellent tous les jours. Je ne vais pas rester dans ce pays, tu m'entends? Cinq et trois. Huit. Huit. Encore à toi, Sam. Si jamais il me demande d'écrire mon nom... Tu réponds comme ça se prononce. D'accord. Si on dit Bakouche avec un K, tu dis non, avec deux C. Tu penseras au deux seins d'une femme. Avec deux C. Ouais. Alors, quoi, t'as vu? Comme les seins d'une femme. 50. D'accord, je vais me rappeler. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mon nom, c'est Bakouche. Oui? Kader Bakouche. Bakouche avec deux C. Oui? Je voudrais annuler ma demande de logement, s'il vous plaît. D'accord. Bakouche. Ça me dit quelque chose. Mais vous voulez vraiment annuler votre demande? Oui. Je veux rester au framboisin. C'est très bien, framboisin. C'est toujours pareil. C'est pas juste. Sam, arrête, qu'est-ce que tu fais, là? C'est le type, là. Il veut rien comprendre. J'aurai jamais mon bistrot. Pourquoi? Parce que je suis marocain. Et qu'en France, là, ne vous donne aucun droit. Et surtout pas celui d'ouvrir un bistrot. C'est la loi, monsieur. Mon collègue a raison. Ça ne serait pas pareil si vous étiez né en Algérie. Pardon? Mais oui. L'Algérie, c'est la France. Les lois de la métropole s'appliquent là-bas. Donc quelqu'un qui est né en Algérie pour ouvrir un... peut parfaitement ouvrir un café et même avoir la licence 4 s'il le désire.
Amène-moi ce bureau. Viens. Au revoir, messieurs. Quel... Mille fois merci. Mon fils, je l'appellerai comme toi, Kader. Et le café, on pourrait l'appeler le tout va bien. Tout va bien. Ben oui, comme ça, ça voudrait dire ben, qu'on n'aura pas de problème. J'espère. Si jamais il y a des problèmes, c'est qui est responsable? Ben moi, enfin, non, toi, c'est toi le gérant. Moi? Non mais t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Tu sais, je donnerai jamais une goutte d'alcool à quelqu'un qui est déjà sous. Non mais je pense à autre chose. À quoi? Milo de ma main au feu qui vont faire un quartier général de ton café. Et là, on va avoir des problèmes. Attends, t'es pour l'indépendance? Tu m'en prends pour un traître ou quoi? Mais non, comme t'es au FLN, n'a rien à craindre. Juste toi. Monsieur Bakouche, j'ai retrouvé votre dossier. Vous voulez toujours annuler votre demande? Non, non. Non, non, je maintiens ma demande. D'accord. Tu sais, je trouve que tu te débrouilles vraiment bien. Comment t'as fait? Je leur ai dit, un maçon dans un gourbi, c'est pas normal. Hassan, un café? Je ne veux pas d'ennuis avec la police. Tu ne peux pas rester ici. J'ai changé de métier. J'ai travaillé dans un café dans une autre vie. Et aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Pour moi aussi, c'est une nouvelle vie. C'est oui ou c'est non? Je vais essayer. Les amis, c'est ma nouvelle serveuse. Alors pas de mauvaises paroles. Si on l'insulte, c'est moi qu'on insulte. Denise, Kader, il est comme mon frère. Jamais il paye. Ça va, Myriam? Oui, et toi? Ça va. Il fait froid. Oh, il fait froid dehors. J'ai ramené quelques courses. Tiens, regarde. Ça, c'est du bon fromage. On est au pays du fromage. Ça, c'est du chèvre. Mmh, ça sent fort. Ça sent bon, hein? Non. Non? Et ça, c'est des couverts pour toi. Qu'est-ce que je dis à Kader? Ah, il dira rien. Je vais faire un café. Oui, fais-moi un bon café, s'il te plaît. Il va devenir riche, ton Hassan. Tu pouvais lui demander minimum un loyer pour lui avoir prêté ton nom. C'est Mustapha. Tout ce que j'ai, moi, c'est mon honneur et ma parole. Ça... T'as besoin qu'il achète, tu donnes. Moi, ma sœur, elle a pu t'épouser. Ça me dépasse. T'as retrouvé du boulot? Oui, je travaille. Par-ci, par-là, il y a des chantiers, ça construit, t'inquiète pas. Bonjour, Milo. Mon frère, tu dois t'acquitter de l'impôt. On n'a en commun ni père ni mère, alors on n'est pas des frères. Tu dois payer quand même. N'engraisse pas les corrompus dans ton genre. Attention. Je sais où se trouve ton travail. Tu me menaces? Milo, assis-toi, je t'invite. Mon beau-frère partait.
Je te préviens, faut choisir ton camp. Mustapha. Mustapha. Je vais payer pour lui. C'est lui qui devrait payer pour toi s'il était fier de son sang. J'ai des nausées en ce moment, j'arrête pas de vomir. Mais t'as eu tes règles ? Ah non, pourquoi ? Ah, je vais chercher le docteur Bismuth. Hein. Vous avez quel âge ? 16 ans. Vous avez déjà eu un enfant ? Non. C'est pour bientôt. Ça va aller. Mes amis, approchez-vous. Demain, nous serons le 17 octobre, le jour de la manifestation pour protester contre le couvre-feu. La semaine dernière, la police a embarqué 2 Italiens et 3 Portugais. Mais ils les ont très vite relâchés, car il n'y a que nous qui ne pouvons pas sortir le soir. Cette manifestation est pacifique, familiale. Vous ne devez en aucun cas porter une arme, même pas un canif. Le rendez-vous est à 8 heures. Nous descendrons à pied et nous serons rejoints par nos frères et nos sœurs de tous les autres bidonvilles de la région parisienne. Soyez vous, vos épouses et vos enfants les plus élégants. Nous descendons au cœur de Paris. Faisons honneur à cette ville et à notre peuple. Je compte sur votre présence à tous. Merci. Donnez-moi la main. Attention, on inspire très fort, on bloque et on pousse. Écoutez bien ma voix. Attention, on inspire, on inspire, on inspire, on bloque. Poussez, 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 poussez. Allez-y, relâchez. C'est bien, Myriam, c'est bien. Allez, on va y retourner encore une petite fois. Allez, Marc, une serviette chaude, s'il vous plaît. Allez, on va repartir. Respirez tranquillement. Prenez, prenez, doucement, doucement. Prenez vos forces, doucement. Vous pouvez le faire, Myriam, je sais que vous êtes forte. Allez-y. Attention, attention, on bloque et on pousse, 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 voilà, respirez, respirez, voilà, reprenez, reprenez les forces, tout va bien. J'ai peur. Rassurez-la, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a ? Respirez, il n'y a rien du tout, tout va bien. Reposez-vous 2 minutes, il faut reprendre le souffle avant de repousser. Je reviens, je reviens. Vous allez. Alors docteur, c'est votre premier enfant ? Oui. Alors comment ça se passe ? Bon, l'enfant se présente pas bien. Il faut aller à l'hôpital. Moi je peux pas y aller, Mustapha. Attends, comment ça tu peux pas y aller ? Mais tu risques de perdre ton enfant ? Il faut aller à l'hôpital d'urgence. Je ne peux pas y aller. Je dois aller à la manifestation, c'est mon devoir. Mais quel devoir, docteur ? Allez-y, prenez votre voiture, je m'en charge. Bien. Bon. Félicitations. L'enfant est en danger, il est à l'hôpital. Là, tu dis encore un seul mot et on s'en va. Lui, il paye l'impôt qui finance notre lutte. Toi, tu as toujours refusé de contribuer.
En ce 17 octobre, nous écrivons l'histoire. Tu as donc un seul droit, le silence. Mais je voudrais... Qu'est-ce qui se passe, Kader? Je voudrais rester avec ma femme. Autorisation refusée. On a besoin d'un maximum de frères dans la rue. Ta femme accouchera très bien sans toi. Tu vas à la manifestation après ses tours. Mais c'est un scandale! Honte à vous! Non! Honte à toi qui préfères la France à tes frères. Tu veux que Kader soit auprès de sa femme? D'accord, tu prendras sa place. Je peux pas, je travaille. Alors Kader va à la manifestation. Mustapha, c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Où se trouve la maternité, s'il vous plaît? À droite, première à droite. Très bien. Bonne Au journée. Revoir. Bonjour. Le jasmin, s'il vous plaît. Au revoir, madame. Tout s'est bien passé. La maman va bien et le bébé aussi. Allez, venez. Venez. C'est par là. Venez. Ah, c'est par là. Venez, venez. Il est beau. Oui. Elle est belle. C'est une fille. Elle est magnifique. Presque 3 kilos. Mais c'est pas possible. Vous savez ce qu'on dit chez nous, avoir une fille, c'est... Oui, c'est arroser le jardin du voisin, je connais. Mais ça, c'était avant, là-bas. Et ça n'existera plus quand elle aura 20 ans. Elle a les yeux de sa mère. Deux petites gouttes de café sur un nuage de lait. Vous avez choisi un prénom? Non. Je voulais lui donner le prénom de mon père. Où est notre fille? Yasmina? Yasmina? Oui, Yasmina. Mustapha est pas avec toi? Non, il est allé manifester avec les autres. Mustapha avec le FLN? Il est malade? Il a pris ma place. Mmh. Yasmina. C'est joli, non? Trente martyrs ici.
40 à Nanterre. Nous évaluons les victimes à 300. Monsieur Papon, lui, parle de 4 morts. Quand l'Algérie sera libre, elle saura remercier ses enfants. Regardez notre drapeau. Le blanc du linceul. Le vert de l'islam et ses jardins d'Éden. Et le rouge pour le sang des martyrs. Ils ont jeté dans la Seine glacée des pauvres paysans qui ne savaient pas nager. Nos frères, ils sont morts pour que l'Algérie puisse vivre libre. Être vivant et moi mort. C'est son destin, c'était écrit. C'est ma fille qui m'a sauvé la vie. Avec moi, oui. Cette guerre me suit partout comme l'odeur des cadavres. On rentrera un jour, Inch'Allah. Et moi, je rentre demain. Je passerai pas un jour de plus dans ce pays qui a assassiné mon frère. Mais c'est pas la France qui a assassiné ton frère. C'est un Français. Des Français, il y en a des bons comme des mauvais. C'est comme chez nous. Mais qu'est-ce que t'as, Kader? Si tu voulais pas que je vienne, maintenant tu veux pas que je parte? Amin. Regarde, on a un logement. Tu sais lire, toi, maintenant? C'est le dessin de l'office de l'HLM. Il est rouge. Donc c'est important. Donc c'est qu'on a un appartement. Amin. Mais c'est comme si c'était Mustapha qui nous l'envoyait de là où il est, cette lettre, Myriam. C'était le souhait de ton frère de nous trouver un logement, non? Un jour, tu regretteras d'avoir pris cet appartement. Mais viens pas me trouver, Kader. Je t'aurais prévenu. Je passe dans la semaine pour récupérer le reste. D'accord. Islama. Mes économies, depuis que j'ai quitté notre village. Un jour, avec ça, on construira une maison au bled, avec tout le confort. Nos enfants seront pas comme nous. On va leur donner un avenir meilleur. Inch'Allah. Ça, c'est la boîte pour rentrer au pays, d'accord?
Myriam, on a l'eau courante. Chez ma couche. Oh, docteur Bismuth, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien, ça va bien. Je cherche le bâtiment D. Bâtiment D? Oui. On est les seuls à vivre dans le bâtiment D. Ah bon? Bah oui. Ah bah, pas de chance, docteur, hein, personne n'est malade aujourd'hui. Ah non, 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 je viens ici pour m'installer, pour travailler. Vous venez habiter ici? Je viens ouvrir le cabinet. C'est pas vrai? Oui. Au bâtiment D, là? Oui. Quel étage? Quatrième. Troisième? Ah bah, vous voyez. Hé, hey, c'est ma couche? Oui. C'est pour la baraka. Ah, faut bien un petit peu de chance, hein. Et Yasmina, ça va? Attention, attention, attention à mon buffet. Elle est belle comme un cœur. Non, parce qu'il vient de ma grand-mère. Mais vous lui faites mal à cette pauvre bête. Ça vous plairait qu'on vous tienne la tête en bas? De toute façon, il va sacrifier dans pas longtemps. Hein. Sacrifier? Attention dans le virage, hein, pas cogner sur les angles. Voilà, c'est... Chacun ses coutumes, hein. En Algérie, on tue un poulet, et chez nous, en Tunisie, on enterrait un poisson sur le seuil de la porte. Ça porte chance. Oui, bien, nous sommes en France. C'est un peu comme Abraham, lorsqu'il a sacrifié un mouton à la place de son fils Isaac. Hmm? Ismaël. Bonne journée, madame. Ouais. Merci, monsieur Bakouche. Au revoir, docteur. Au revoir. Vous passez pour boire un thé demain? Oui, d'accord. De Krim Belkacem, une issue positive de la conférence des Vians est maintenant très probable. On s'achemine vers la fin du conflit algérien et après 7 ans d'épreuves vers une nouvelle coopération entre la France et une Algérie enfin indépendante. Pour chez nous devienne réalité. Tu rentres quand? On aura besoin de maçons comme toi, hein? J'ai pas encore assez d'argent pour construire ma maison au bled. Kader, n'attends pas, je te l'ai déjà dit. Ta femme va vivre comme les Françaises, elle va s'habituer. Femme, c'est la première à vouloir rentrer au bled. Pour l'instant. Et dis-moi, Kader, comment on va faire pour le bistrot? Si t'es algérien, t'es plus français. T'inquiète pas comme ça. Les accords des viandes ne changent rien. Les Français qui vivent en Algérie pourront rester là-bas et nous ici. On va recevoir une carte algérienne. Et pour les cafés, pour l'instant, ça bouge pas non plus. Ok? Une livre de sardines, s'il vous plaît. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Et sa monnaie? Pardon? Elle en a pour 19 francs, elle vous a donné un billet de 50. Vous lui devez de la monnaie. Excusez-moi, mais avec tout ce monde, je sais plus où donner de la tête. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.
Il faut que j'y aille, j'ai une fille qui dort et je peux pas la laisser sans personne. Ouais, moi aussi, j'ai un petit bout de chou qui fait la sieste, mais elle a l'habitude d'être seule. Ah, pas moi. Parce que mon mari travaille. Ah, moi, je l'ai mis à la porte. Ah. Pourtant, on a toujours besoin d'un homme. Ça dépend des jours, hein. Ou plutôt des nuits. Chez nous, on dit qu'une femme est un vêtement pour l'homme et que l'homme est le vêtement de la femme. Bah, chez nous, on dit que parfois, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et vous, votre fille s'appelle comment? Elle s'appelle Valérie. Et la vôtre? Yasmina. Ça veut dire jasmin en arabe. Ah, c'est joli. Mm. Bah, Valérie, ça veut dire... Ça veut dire que mon ex-belle-mère, elle a eu le dernier mot. Calme-moi, ce brillant. C'est le fils de ma voisine. Arrête. Ta morale de merde. Arrête. Donne-moi l'argent. Il va la tuer, là. Lâche-moi. Donne-moi l'argent, je te dis. Bah, peut-être que morte, elle sera plus agréable que vivante. Mais... Pour tous tes mensonges. Mais quoi? Tu veux parler de papa? C'est tu veux parler affaires. De papa? Sans mes affaires, je vais pas... Non, mais vas-y, là. Allez. T'as payé pour papa! Tu vas me parler de mon père! C'est mes tu vas en parler maintenant! Monsieur, arrêtez! Non, sois gentil! C'est moi, je suis votre voisin, cadet de la couche. Madame Simone, c'est moi, tout va très bien. Mais t'es qui? Calme, toi? Calmez-vous, monsieur. Calme-toi! Arrêtez, c'est votre maman, mais mon pote! Je te dis, donne-moi le pognon! Donne-moi le pognon! Mais arrêtez, c'est votre maman là! Calmez-vous! Bon, ça va, c'est bon, je rentre chez moi. Allez, allez, bonne soirée. Je vais faire la guerre, toi! Vous leur avez pas dit la vérité. Kader va aller en prison à cause de vous, alors qu'il voulait vous aider. Parce que Robert est en sursis. Si je le charge, il retourne au trou. Alors là, Dieu sait pour combien de temps. Hein. Tandis que votre mari, il sortira tout de suite. Hein. Il aura qu'à dire que c'était un accident. Mais quand on est arabe, rien n'est jamais un accident. Écoutez, vous avez un enfant, vous avez besoin d'argent. Je suis sûre qu'au père, il va se comprendre. Mais ce que je comprends pour l'instant, c'est que vous êtes trop lâche pour aller voir la police. Moi, je le ferai pas parce que chez nous, on dénonce pas. Mais au pire, il sera expulsé. Qu'est-ce que ça peut vous faire de rentrer chez vous? On retournera chez nous la tête haute. Sûrement pas avec des policiers. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Vous lavez votre indépendance? Vous êtes resté 132 ans en Algérie. On a le projet d'en faire autant. Et votre argent, vous pouvez le garder. Algérien? Oui. J'irais bien en Algérie. En touriste, quoi. Vous n'y avez pas déjà été? Non. J'ai réussi à l'éviter, et ça me cause quelques petits ennuis, d'ailleurs. Alors vous êtes communiste? Vous êtes là pour longtemps? Je sais pas. Vous avez vu le juge? Non, j'ai pas vu le juge. Vous avez un avocat, au moins? J'ai pas les moyens. Oui, c'est cher, mais il faut un avocat, hein. Faut se bouger, mon vieux. Sinon, vous allez rester là pendant des mois. Et je le paye comment, l'avocat? On trouve des moyens, ça, c'est pas le problème. Être seul? Ici, en France? Non, je suis marié, j'ai une petite fille. Ah oui? Bah, raison de plus, alors. Vous allez pas les laisser toutes seules? Oui? Myriam Bakouche? Oui, c'est moi. Je viens de la part de Kader. On était dans la même cellule. Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes sa part? L'homme est l'enfant de ses habitudes. Ça vous dit quelque chose? Entrez. Je n'ai que ça. Pour un avocat, ça va pas suffire. Ça aussi.
sais pas si c'est assez. C'est tout ce que j'ai. Je vous ferai signe. Là-bas! Madame Bacouche, maître Chevalier, il a étudié le dossier. Bonjour, madame. Bonjour. Alors ? Votre mari risque 2 ans. 2 ans ? C'est une agression, madame. Enfermé pour toujours ? Chut. Mais l'autre est sorti de l'hôpital. Moi, je ne suis pas juge. Je suis juste avocat. Et à ce titre, je vous donne mon avis. Vous n'avez pas un élément nouveau, quelque chose qui pourrait me permettre d'avancer ? Myriam. Tu es enceinte. Tu t'en doutes un petit peu, non, vu le retard que tu avais. Alors, t'es sûr? Certain. Bon, maintenant, il faut que tu te reposes. Bon, je sais que c'est pas évident avec ce qui arrive à ton mari, mais c'est bon pour l'enfant. Il va comment, ton mari? Comme un homme qui ne voit plus le ciel. Moi, je comprends pourquoi t'es toute seule.
Madame, madame, répondez-moi. Simone. Simone. Bonjour. Bonjour. Je suis maçon, je cherche du travail. C'est comment ton nom déjà? Lacouche. Lacouche. C'est pas toi qui as tué un mec? Je serais pas en liberté si c'était le cas. Ouais. Je suis sérieux, monsieur, je suis un bon maçon. Il y a rien pour toi ici. Même ailleurs, je suis pas sûr que tu trouves non plus. Moi, je fais comment? Je crève de faim? Eh ben, tu te démerdes. Hein? T'inquiète pas, tu vas retrouver du travail. Non. Le destin qui s'acharne. J'ai plus d'économie. L'avocat, il m'a tout bouffé. J'ai plus un sou. Vas-y, donne-moi un autre whisky. Après les bières, c'est le troisième. C'est pas grave, j'habite au troisième. Comme ça, je saurais rentrer chez moi. Boire pour oublier, c'est pas bon. C'est le contraire, Hassan. Je bois pour me rappeler des belles choses, Hassan. Tu peux me prêter un peu d'argent? Je peux pas, Kader. Un petit peu, je te le rends. Dès que je travaille, je te le rends. J'ai le fond de caisse, Kader. J'ai le fond de caisse. Si je te donne le fond de caisse, je ferme la boutique. C'est pas grave. Regarde-moi, j'ai l'air de te mentir. C'est pas grave. Je suis là grâce à toi, Kader. C'est pas grave. Kader, s'il te plaît, regarde-moi. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de mendier. Kader. Je suis en train de mendier. Tu ne mendis pas. Tu es comme mon frère. Tu ne mendis pas. Dis-moi que tu me crois. Kader. C'est bon. Merci. Kader, merci. Je paye même pas pour mon whisky. Tout va très bien. Tu n'as plus en HLM, toi? Non, c'est mon mec, tu le sais. Écoute, tu as le terrain, les fenêtres, les portes à ta disposition. Par contre... D'accord. Écoute-moi, par contre, le paiement, on le t'aurait en heure. On est d'accord? D'accord. Allez, bon courage. Je te rembourse un travail. Je vais te prendre, vas-y. Et pour la main-d'œuvre, on l'a sur place. Hein. Excusez-moi. Salut. T'habites ici? Non. J'ai une proposition pour toi. La guerre est terminée, Louis. Qui c'est que tu veux que je trahisse maintenant? J'avais la police sur le dos. Je pouvais être expulsé. Alors adieu, la maison au Portugal. On a tous le même rêve, Louis. On devient tous des esclaves. Le passé derrière nous. Pour toi, oui, pas pour moi. Mais si. T'es pas au courant? Personne veut m'embaucher. Il paraît que je suis devenu un assassin. Arrête tes conneries. On va construire un centre commercial tout à côté. On a besoin de maçons. Je sais que t'es un bosseur. Sérieusement, tu veux m'embaucher? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Louis, t'as jamais l'air de plaisanter. C'est d'accord. Alors à 6 heures sur le chantier demain. Et sois à l'heure. Hein. Il vient. Oh, il est bon.
un garçon. Il est magnifique. T'es fatigué, mon chéri. Ah. Bonjour, mon fils. On va l'appeler Mustapha comme ton frère. Kader, il nous faut un frigo. Et une machine à laver aussi. Une machine à laver. Ça, c'est pour la machine à laver. Et un lit pour Yasmina, un pour Mustapha, et un berceau pour le nouveau. Et une télé pour les enfants. Une télé? Si tu veux pas retrouver tout le temps ta fille chez Cécile, oui. Tu vois, pour la télé, on n'a pas assez. Ça attendra. On n'est pas prêt d'entrer au pays. Mais c'est pas de l'argent perdu, Kader. Quand on repartira, on emportera tout avec nous. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a donné un coup de pied. Où ça? Là. Oh. T'as senti? C'est un garçon. Je suis sûr que c'est un garçon. On pousse et un, deux, trois, et on pousse, on pousse, on pousse. Allez, 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 stop. On souffle. Je devrais pas vous dire ça parce que je vais finir au chômage, mais il existe des moyens aujourd'hui pour éviter les grossesses. Allez, j'espère que c'est le dernier. Que Dieu vous entende. Allez, 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 stop. On souffle. Comme d'habitude. Et on pousse, allez, allez, allez. Encore, encore, c'est bien. Bonjour. Alors? C'est aussi un garçon. Ah, merci, mon Dieu. C'est plutôt votre femme qu'il faudrait remercier. Oui, c'est vrai. Mehdi pour le prénom. Oui, comme promis. Ce sera Mehdi pour le prénom, madame. Ah là, c'est plus nous, c'est la mairie. Il faut aller à l'état civil. À l'état civil? Oui. Tu t'en occuperas? Oui. Oui, oui. Merci. Au revoir, madame. Merci. C'est quoi l'état civil? La nouvelle procédure est simple. Pour déclarer votre enfant... C'est un garçon. Votre garçon. Il suffit d'épeler son prénom. Il s'appelle comment, votre fils? Mehdi. Mehdi, très bien. Je vous écoute. Mehdi, comme ça se prononce. Vous êtes analphabète? Bête? Non, je suis pas bête, non. Non, je... Vous savez lire? Oui, bien sûr, je sais lire, oui. Eh bien. Alors, monsieur Bakouche, la première lettre, je vous écoute. Les toilettes, s'il vous plaît. C'est juste derrière moi, au fond du couloir, à gauche. À nous. Alors, je dois vous dire comment ça s'écrit. Oui. Ah, alors attendez. M. M. Œuf. Œuf. E. 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 Oui. H. H. D. D. Voilà, Mehdi. M-E-H-D. I. Deux I. Un. Un I. Un I. M-E-H-D. Ben Mehdi, comme ça se prononce. C'était combien les oranges? 1 franc le kilo. Il n'y avait pas de promotion? Pas sûr, les pommes. T'es sûre, Yasmina? Oui. Ouais, t'aurais pu
30 centimes. C'est pas cher. Regarde bien. Oui, 30 centimes. Regarde s'il y a de la viande de porc. Viande de bœuf et de porc. Prends l'autre marque. Mais maman, toutes les marques, c'est pareil. Ils mélangent toujours. Je croyais que tu voulais être mes yeux. Tes yeux et mes jambes sont fatigués. Léo m'a dit. Il fait dodo comme ta rec. Bah oui, c'est des petits. Toi aussi, t'es un petit. Non, je suis un grand séquillon. Je sais pas pourquoi tu le dis. Au boulot. Merci. Des fois, j'ai envie de boire un coup dans ton bistrot, hein. Mais quand je passe devant... Ah ouais, je sais. Il y a que des hommes. Mais en tout cas, ça va changer ça. On va changer la décoration, hein, mon chéri. Et puis la clientèle aussi. Et puis le nom. Mettez pas les coussins par terre. Allez, rangez les dessins, on va manger. Ah, maman, il existe le Père Noël. Mais bien sûr, mon chéri. Même qu'il est marié avec la petite souris. Oui. Bah oui, la petite souris aussi, elle existe. On peut regarder la télé. C'est ton père qui décide. Allez, finissez de ranger. Demande à papa. Pourquoi moi? Parce qu'à toi, il dit toujours oui. Et tu faisais quoi avant? Avant quoi? Le café. Avant, j'étais... J'étais déjà dans le commerce. Tu pourrais donner un petit coup de main quand même. Je travaille pas les jours fériés. Ouais. Elle est belle, la dame. Oui, on voit les verres. Ah bah ouais. Papa, est-ce qu'on peut regarder la télé? Tiens. Bon, d'accord. Yasmina, tu fais attention. Tu vois qu'il a dit oui. Tu peux m'emmener un couteau pour la nuit, s'il te plaît. Bon, Patrick, il s'est réunion politique, hein. Tant pis. Il mangera froid. Ah, t'as pas de ouais. Je suis désolé. Pas rien. Ça va? Ouais. Tiens, j'en prie. Ça fonce. Ah, mon ami. Bonsoir, mademoiselle. Catherine, enchantée. Soyez la bienvenue. Dans 10 secondes, maintenant, la France va découvrir la télévision en couleur sur la deuxième chaîne de la RTF. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voici la couleur. Au jour fixé et à l'heure dite. Pourquoi elle reste en noir et blanc? Madame, mademoiselle, messieurs. Attends, ils viennent de dire que ça passe à la couleur. Non, vous voyez. T'es sûr que t'es sur la bonne chaîne? Bah attends, ils viennent de le dire, ils viennent de l'annoncer. Va voir sur ta voisine, madame Gendron. Hein? Ah, madame Gendron. Ce serait très vite. Et vipère, elle m'a piqué. Sensible à la règle. Ouais, j'y vais. Bon, il y a prescription. Oublie pas que c'est grâce à elle que t'es sorti. Oui, c'est juste un peu grâce à elle si je suis rentré. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Votre télé est en couleur? Ah non, elle est toujours en noir et blanc. Ça doit être l'antenne. Ah, bon bah demain j'irai voir le gardien pour qu'il appelle le dépanneur. Ah bah merci, c'est gentil. Je vous en prie. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ok. C'est bon là. Il s'agit là d'un tour de force. Essaye à gauche. Oui, une petite révolution. Essaye de la redresser, attends, on a perdu l'image. Gauche ou droite? Dépêche-toi, il fait froid. Ça bouge ou ça bouge pas? Toujours rien, Kader. Bah, il fait trop froid. Myriam, demande au gardien d'appeler un dépanneur pour... Pour demain. Tiens, prends le camion, tu m'amènes tout ça à Gennevilliers. Mais je suis pas chauffeur. Oui, bah j'ai plus de chauffeur. Alors c'est comme ça, tu vois. Les maçons, ils deviennent chauffeurs. Et les chefs de chantier, ils deviennent maçons. Voilà, ça te pose un problème? Non. Problème, c'est un mot qui n'existe pas chez moi, chef. Bon, oh. Allez. Allez, on y va, là. Faut que ça soit pas,
J'ai récupéré la camionnette. Faut que tu passes ton permis parce que sinon je peux pas te garder. Mets-toi en arrêt maladie. T'as plus qu'à bosser le code. Je sais pas lire, hein, Louis. Ah bah, tu vas t'y mettre. Celui-là. Alors papa, tu vois, c'est simple. La couleur rouge, c'est les panneaux d'interdiction et la couleur bleue, d'obligation. Rouge, interdiction. C'est ça, rouge, pas le droit. Et bleu, je suis obligé. D'accord. Et là, c'est quoi? Attends. Rouge, sens interdit. Bien, papa. Et là, c'est quoi? So, 7 60, 70 Non. Quoi, non? C'est quoi, alors? 40. Ah. Comment je le reconnais, le premier numéro à gauche? Là, ouais. C'est une chaise et avec un bonhomme dessus. Le bonhomme sur la chaise, c'est le... 4. 4. 40. D'accord, comme ici. OK. Continue. Et là? Stop. C'est le stop. Je m'arrête un petit peu et après je redémarre. Bravo, papa. T'auras le droit à ton dessert. Ça, c'est ma phrase. Vas-y, continue. Ça ressemble à quoi, un 6? Tu sais pas lire? Ben, disons que l'école, j'habite en face, mais j'ai jamais mis les pieds. Comment t'as fait pour avoir ton permis, toi? J'ai acheté un fonctionnaire. Combien? Je l'ai payé en nature. En nature? En nature, oui. Yasmina, avec des légumes, des fruits. Je pète, hein? Moi, dès que j'avais son regard, hop, je regardais le rétro. Hop, je regardais le rétro du milieu. Hop, gauche, droite. Ça. Je faisais le faillot, quoi, normal. Je crois que ça l'a impressionné, tu vois. Je l'ai eu, quoi, je l'ai eu. Thank you.
Ça y est. Merci, ma fille. Et alors, c'est grâce à toi que je l'ai eu. C'est grâce à toi que je l'ai eu. Non, c'est moi. Excusez-moi, j'attendais mon mari. Étienne Scala, je travaille aux allocations familiales. Je peux entrer? Oui, 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 bien sûr. Allez-y, c'est à gauche. Pardon. Ah, merci. Vous avez combien d'enfants? 4. Félicitations. Vous avez dû entendre de temps en temps les manifs là. Pompidou, des sous, oh, eh bien, il en donne de temps à autre, notre premier ministre. Et là, en l'occurrence, il alloue une prime pour le 4e enfant. Le nôtre a presque 6 mois. Ah, c'est pas grave, c'est rétroactif. Rétro quoi? Rétroactif. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Il faut bien qu'ils payent nos retraites, ces petits bouts de chou. Alors, les jeunes plateaux. Vous venez de quelle région, alors? D'Algérie, de Kabylie, plus exactement. Ah, Kabylie, Kabylie, mon beau pays. Ben, je connais parce que j'ai fait mon service militaire à Constantine. Ah. Mais vous avez bien fait de demander votre indépendance avec ces salauds de pieds noirs. Vous savez, il y a des bons et des mauvais comme partout. Enfin, quand on choisit son camp, on est soit du côté des gentils, soit du côté des méchants. C'est Dieu qui décide. Bon, alors, vous allez donc... signer là? On va attendre mon mari, il va pas tarder. C'est lui qui signe d'habitude. Ah, ce serait avec plaisir, madame, mais j'ai toute la cité à faire. Il y a des ascenseurs qui sont en panne. Je sais pas écrire, monsieur. Vous savez pas écrire? Mais encore les pieds noirs. Écoutez, c'est pas grave. Votre nom, c'est... Bakouche avec 2 C. Bakouche avec 2 C. Vous voyez, c'est simple. Il vous suffit de recopier votre nom à l'endroit que je vous indique. Et ici, oui. Vous recopiez. Voilà. Bon, merci. Vous finissez pas votre café? Ben non. Je vous dis, hein, j'étais avec les ascenseurs en panne. Ah oui. Je vais vous raccompagner. Bonjour. Bonjour. Toi, t'as des garçons qui t'embêtent? Non. Ah, moi, voilà, un garçon qui m'énerve s'il se peut dormir. T'as parlé à ton mari de la pilule? Non, c'est tabou chez nous. T'as réussi à lui faire fêter Noël? Mais c'est pas pareil, c'est pour les enfants. Et puis il y a Jésus dans le corps. Mais essaye au moins! Mais c'est impossible! Attends, mais tu vas en avoir 10 dans 9 ans? Méchant! Écoute, t'essayes quelques temps, quelques années, histoire de faire une pause. Et puis tu vois sa réaction. Ouais, et quelle explication je vais lui donner? S'il t'aime vraiment, son plus grand bonheur, c'est de te voir heureuse. Ouais, t'as raison. Il faut en prendre combien par jour? Bien. Tu es en pleine forme, Kader. C'est dedans que ça s'use. Je peux te poser une question? Bien sûr. Ma femme, elle tombe plus enceinte, je comprends pas. Moi, tout marche. On fait exactement comme avant, mais pas de bébé. La nature a ses mystères. Et plus tu as d'enfants, plus tu as de soucis. Mais moi, j'aime bien les enfants. Je sais qu'il y a un médicament pour empêcher d'en avoir. Oui, la pilule. Tu lui as fait une ordonnance à ma femme? Je peux pas te répondre. Secret médical. Ton sourire est pâle pour toi. Vous pouvez me la lire? Vous avez pris une assurance vie? Une assurance vie sur la tête de Monsieur Bakouche, votre époux? Ça veut dire quoi?
Bah, que s'il meurt, vous touchez de l'argent. Quoi? Oh, ma pauvre. Vous aussi, vous êtes arnaquée. Il a fait le tour de la cité. Mais oui. Oh, puis c'est une grosse compagnie, hein. Faut payer 300 francs par trimestre. Ça fait 100 francs par mois? Je peux vous aider à payer le premier trimestre. Et après? Faut en parler à Kader. Lui dire que s'il meurt, je deviens riche? Ça se fait pas chez nous, c'est haram. C'est quoi, haram? C'est péché. Pour le quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais si, sens, tu veux me dire quelque chose. Quelque chose de difficile. J'entends ton cœur battre d'ici. T'as raison, c'est difficile. Vas-y, aidez-moi. Bon, écoute, Myriam, je sais ce qui te fait peur. Je suis ton mari, je te connais. Bon, bah, je suis d'accord. Quoi? Je suis d'accord. Je parle français, non? Écoute, j'ai 4 enfants. J'ai suffisamment de bras pour porter mon cercueil le jour de mon enterrement. Moi, ça me suffit. Tu peux le prendre, le médicament, pour empêcher d'avoir les enfants. C'est ça que tu pensais, non? Mais oui. Tu peux prendre le médicament. Merci. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Regarde-moi ça. Une violence qu'on n'avait pas connue ici. N'a pas eu assez l'air d'Algérie. Ah, demain, au travail, on fait une fête pour soutenir les grévistes. Tu peux mettre quelque chose de plus moderne, si tu veux. Comme Cécile? Ah non. Non, pas comme ceci. Non. Alors comme Simone. Ça va pas, non? Entre les deux, alors. Bon, alors plus Cécile que la vieille sorcière. Hein. D'accord. Tu es nue. C'est toi qui m'as dit d'aller m'habiller chez Cécile. Merci pour le couscous, madame. Merci. C'est lui, Louis? Non, Louis, il fait grève que le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On reste le plus discret possible. Pas du tout. Ah oui, t'as peur que ta femme tombe malade? Non, c'est juste une question. De Gaulle dit, la mini-jupe montre tout, mais elle cache l'essentiel. De Gaulle. Les hommes, ils t'embêtent pas avec ça? Ceux qui savent pas gérer leurs pulsions comme leurs copains les babouins, bah eux, leur place, elle est aux os. Kader. Ah.
pas reçu votre chèque. C'est normal, j'ai pas l'intention de vous payer. Attention, parce que vos meubles et vos biens m'appartiennent. Hein. J'ai la loi et les huissiers pour moi. Oui. À moins qu'on trouve un autre mode de paiement. Vous êtes malade ? Mon mari est à côté. Oh, je suis pas jaloux. T'as 8 jours pour payer, sinon t'as les huissiers aux fesses. C'est qui ? Personne. C'est un vendeur d'aspirateurs. On n'a pas besoin d'aspirateur. Madame Bacouche, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Merci, vous pouvez continuer. Ce soir. Entrez. Vous vous souvenez, Madame Bacouche? Ah, j'ai pas le temps maintenant, il faut prendre rendez-vous. Je suis venue vous payer pour le trimestre. Il y a le compte, hein, vous pouvez vérifier. Ah oui. Bah quoi encore? Mon reçu. Dénier-vous. Ah, voilà le patron. Bonjour, tout se passe bien? Oui, merci. Bonjour. Ça va? Ça va. Faites attention au tapis, les jeunes. Hein. J'ai juste de changer. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'être là et je voudrais juste qu'on ait une pensée pour mon frère Mustapha. Voilà. Merci. Bon, allez, on découpe le gâteau. Merci. C'est passé. Tu prends la rose. Merci. Alors, bon, allez, Patrick. Yasmina, t'as eu une part? Elle est où, Yasmina, d'ailleurs? Je sais pas. Là-bas. Bon, voilà. C'est bien ça. Merci. C'est qu'elle a pas eu? Un peu de café, Simone? Ah non, pas de café, merci. Alors, docteur? Ah, c'est pas bon pour la santé, hein? Il s'appelle comment, déjà? David, je crois. Ils en ont eu, les petits? Tiens, va donner ça au garçon, je crois. Quel âge il a? Je sais pas, genre... 7 ans, un truc comme ça. Merci, papa. Merci. Oui, ma fille. Bon anniversaire. Dépêche-toi, Mehdi. D'accord, j'arrive. Thank you.
dernier qui part, ferme la porte. Oui, maman. Bonjour, monsieur. Bakouche, c'est toi? Oui, Myriam Bakouche. Fatima m'a dit que tu voulais 8 heures par semaine, c'est ça? Oui, pas plus, hein, j'ai un mari et des enfants. Ok, ok, sois ponctuel. Merci beaucoup, monsieur, au revoir. J'étais chez Simone. Je viens d'avoir en bas devant Vinipri. Je l'ai rencontré en bas, je l'ai aidé à monter ses courses. Je peux savoir ce que tu fais? Des économies. T'as vu la facture de téléphone? Si t'appelais un peu moins le bled, 3 fois par semaine, tu sais combien ça coûte? Mais c'est pas le bled qui nous bouffe l'autre fric. C'est la France. Tes enfants, ils couchent au téléphone. Et tu vas voir, toi, plus tard, quand ton fils, il t'appellera pas. Yasmina, baisse la musique, s'il te plaît. Non, moi, papa, c'est Mustapha, j'arrive même pas à faire mes devoirs. Mustapha! On n'est pas en boîte de nuit! Tu m'as appelé, papa? Tu baisses ta musique tout de suite. Vous avez vu ces deux clés, là? Il y en a une pour votre mère, une pour moi. C'est terminé, le téléphone. Terminé. C'est compris? Mmh. Bon, ah, baisse ta musique. Pourquoi il est pas heureux, Kader? Il a tout. Une belle famille, un boulot. Il lui manque le plus important, Algérie. Dans sa tête, il est toujours là-bas. Tout lui manque. Le soleil, les parfums, les montagnes. Ça finira bien par lui passer, va. Patrick, ça fait presque 20 ans qu'on est ici. 20 ans. Et Myriam Bakouche, elle est heureuse? Tu restes dîner avec nous, ça lui ferait plaisir. Seulement à lui? Non, à moi aussi. Tu restes manger? Oui. Cours ce matin? Seulement à 10h. Le prof de maths est malade. Si tu utilises le gaz, tu penses à fermer la porte d'entrée aussi quand tu pars. D'accord? Allez, bon courage. Thank you.
Elle est où, ta mère? Chez Simone. C'est pas possible, elle passe sa vie là-bas. Bon, va la chercher, dis-lui que je suis là, on va aller faire les courses. Je vais me changer, on y va. Madame Bacouche ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien. T'es pas allée chercher ta mère ? Si, mais elle était plus chez Simone. Elle est partie chez Cécile. Mais c'est pas possible, quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Pourquoi t'es pas à l'école, toi ? J'ai pas cours, mon prof de maths est malade, donc je commence à 10h. Pourquoi elle reste pas à la maison? Tu peux m'expliquer ça? Je sais pas. Je vais la chercher, moi. Chez Cécile, tu dis. T'étais où, toi? Chez Cécile. La place d'une femme, elle est au foyer. Et celle d'un travailleur au travail. Il pleut, on a arrêté le chantier. Cette lettre? Papier est épais, c'est important. Esmina, viens me lire la lettre. Je crois que... C'est... Ça doit être les allocations familiales. Ah oui, c'est ça. C'est les allocs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent si tu as besoin d'un prêt pour acheter de l'électroménager. Bah, tu leur diras non, merci. Ah oui, on n'a pas besoin. De quoi? Je vais préparer à manger. Vous êtes Madame Bacouche? Oui. Pierre Mercier, je remplace Monsieur Scala. Je sais que vos rapports n'étaient pas des meilleurs. Aussi, je suis désolé d'avoir à vous apprendre qu'il est décédé brusquement. J'espère que ce chien pourrira en enfer. Oui. En regardant les contrats, je me suis aperçu que celui que vous avez contracté sur la tête de votre époux est l'un des plus anciens de ce cabinet. Nous ne faisons plus ce genre de contrat. Aussi, je vous propose de vous le racheter. Un très bon prêt. Tenez, vous n'avez qu'à signer. Signez-la. Non. Non, la dernière fois que j'ai signé, ça m'a coûté très cher. Je sais que M. Scala avait des méthodes pas très orthodoxes. Non, mais je signerai pas, monsieur. Mais puisque je vous le rachète. Non, je veux rien savoir. Mais enfin, vous n'allez pas payer toute votre vie. Merci, mais j'arrive très facilement à payer maintenant. Bon, eh ben, on va faire un avenant. Ce 17 octobre 1961, je peux dire qu'en naissant à l'hôpital, j'ai sauvé la vie de mon père. Mademoiselle Bacouche, nous sommes en cours d'histoire. Ceci est un exposé, pas un roman. Je veux des faits précis et objectifs. Gardez votre imagination pour vos rédactions de français. La manifestation devait dénoncer le couvre-feu qui touchait les Nord-Africains. Le préfet de police, Maurice Papon, a lâché ses hommes sur la foule. Des faits, mademoiselle Bacouche, des faits. «
Il y a eu de fausses informations sur la radio des CRS. On parlait d'assassinat des policiers par le FLN. La tension était extrême. Les policiers étaient comme enragés. Il y a eu des centaines de morts. Que des innocents. Disons plutôt 4. D'après la préfecture de police. Mais au café de mon quartier, on avait collé sur les murs les photos des disparus. Ils étaient déjà 30, rien que pour notre secteur. Parmi eux, mon oncle, Mustapha. Les archives ne sont pas classées dans les cafés. Libre à vous d'aller chercher dans les bistrots les souvenirs des alcooliques. Je préfère ne pas noter votre exposé, ça ferait baisser votre moyenne. Au contraire, notez-moi. Et vous expliquerez à mes parents, à ma mère surtout, pourquoi vous m'avez donné une mauvaise note. Vous savez où mène l'insolence ? Au bureau du proviseur. Ah. Sauvé par le gong. À moins que vous n'insistiez. Je vois bien que ça va pas. Mustapha, c'était le prénom de ton frère. Oui. Tu sais, je l'aimais beaucoup, ton père aussi. Et t'as pas la haine contre les Français? Non. Et pourtant, c'est eux qui l'ont tué. Et comment t'as pu rester? Et comment tu peux accepter ça? C'est plus compliqué que ça. C'est vraiment dégueulasse. Il faut pas rester dans la haine comme ça, faut avancer. Justement pour ton oncle. Allez, va, tu vas être en retard. Et si on allait au cinéma? Je peux pas. Ah, t'as raison, il y a des mauvais films en ce moment. Pourquoi pas en boîte? Encore moins. T'as raison, c'est vrai. Il y a trop de bruit, trop de fumée. On pourra pas s'entendre parler. C'est idiot de ma part. Quand même, ils sont durs, tes parents. Ils sont d'Algérie. Les miens aussi. Tu sais, David, si tu veux sortir avec moi, tu vas t'ennuyer. Non, je crois pas. T'es pas une fille comme les autres. C'est justement ça qui me plaît. C'est ce que j'aime chez toi, tu me plais. T'es... À demain. Mustapha ? Mustapha ? Mais ça va pas, non ? Tu vas rendre ça tout de suite, hein. Oh, vas-y, tu vas aimer. Si tu crois que tu vas acheter mon silence. Tu vas le dire aux parents? Je vais me gêner. Yasmina, c'est bon. Toi, tais-toi! Papa, il va me tuer. S'il était passé à l'acte, tu serais mort plusieurs fois. Yasmina, je t'en supplie. Bon, écoute, je dis rien. Mais t'arrêtes. Je te jure sur ma vie. Là aussi, tu serais mort depuis longtemps. Mustapha, je te préviens, la prochaine fois. Ouais, ben là, il n'y aura pas de prochaine fois, hein. Ah, puis là, on arrête de rigoler parce que je suis pas venu tout seul, hein. C'était ton frère, là? Non, hein? Faut arrêter de boire, hein. Ouais, et je vous l'avais dit, un trafic en tout genre, là. Hein? Regarde ça, il y en a partout. C'est ton père qui va être content, tiens. Alors ? Demain, j'emmène ta fille au bled. Quoi ? Demain ? Demain, je vais à Marseille, je prends un bateau avec elle. Mais ça va pas ? Elle va aller dans un pays qu'elle connaît pas, avec des gens qu'elle connaît pas ? Tu préfères qu'elle devienne droguée et prostituée ? Si j'ai le choix, ni l'un ni l'autre. Le bled, c'est trop dangereux pour elle. Ce qui est dangereux, c'est de prendre l'essence interdite. Écoute, elle va passer son bac et ensuite... Ensuite, rien du tout. Et pourquoi pas l'université? C'est pas à l'université qu'elle va rentrer, ta fille. C'est en prison. C'est une voleuse et une menteuse. Dis pas ça, Kader, c'est ta fille. Tu veux des preuves? On lui a donné l'autorisation pour aller à la piscine. Non. Pourtant, des fois, elle sent le chlore. Elle te ment. Et elle me ment à moi aussi. Et pire encore, elle se ment à elle-même.
Elle veut vivre comme une Française alors que c'est une Arabe. Pas que l'année prochaine, tu rêves. D'une autre vie pour ma fille, oui. Et je veux le meilleur pour elle, elle l'aura. Ce qu'on verra. Toi, avance! Allô? Allô, Patrick, c'est Myriam. Pardon de déranger si tard, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose de grave? Oui. On n'a qu'à l'air pas eu un accident. Non, non, t'inquiète pas, mais... J'aurais besoin de ton aide. Je peux passer te voir demain matin. Ça te va? Merci beaucoup. À demain. Bonsoir. On téléphone à son amour. Oui. C'est qui, cette Myriam? Une amie. Une amie qui t'appelle au milieu de la nuit, tout ça. Je crois que tu dormais chez toi ce soir. Chérie. Ça lui ressemble pas, Yasmina. On va pas faire ça. Pourquoi tu t'intéresses à elle, toi, d'un coup? T'as tenu au courant ou quoi? Non, non, pas du tout. Tu savais qu'elle nous avait causé des problèmes? Non, j'appelais comme ça pour savoir comment ça allait. C'est grave ce qu'elle a fait, Patrick. Hein. C'est très grave. Je suis pas venu en France pour que mes enfants deviennent des délinquants. Hein. Ça t'est jamais arrivé à toi de faire des bêtises à son âge? T'es bien placé pour parler, monsieur le futur député. Je la ramène au bled, un point, c'est tout. C'est la première fois, non? C'est certainement la dernière, toi, tu peux me croire. Qu'est-ce que tu vas faire? À la radio, j'ai entendu des témoignages d'adolescents en fugue. Apparemment, il y a des foyers pour ça. Tu veux te sauver? Pourquoi pas? À Lyon, je descends, sans rien dire à papa. Lui, il arrivera tout seul pour prendre son bateau à Marseille. Non, mais t'es folle. Il y a d'autres solutions. Excusez-moi, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais vous parler de Yasmina. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Justement, rien. Les disques. De ma faute. Quand la police est arrivée, j'ai eu peur et je me suis sauvé. Mais Yasmina est pour rien. Justement, c'est même elle qui voulait que je rende tout. Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu m'en as pas laissé le temps. C'était pour ton bien. Même si ça fait mal. On passe à table. Ça va? Tu vas bien? J'ai parlé avec le directeur à propos des cours d'alphabétisation. Hein. Mais je me débrouille, Cécile, maintenant, vraiment. Myriam, attends. Tu as lu ce chiffre là-bas, sur le panneau? Pas le zéro ou l'autre? Le 3? Non, c'est un 6. Non, tu trouves ça normal qu'une femme arabe ne connaisse pas les chiffres arabes? Smina, j'ai un service à te demander. Encore? Non, mais là, papa, il va me tuer. J'en ai marre d'entendre cette phrase, Moustapha. C'est synonyme d'emmerde pour moi. Tu me demandes de mentir aux parents, c'est ça? Smina, s'il te plaît. Commence par ton carnet, je veux tous les détails. Français, 9. Sur 20? Sur 10. Histoire-géographie, 8. Maths, 9. Il y a une appréciation aussi. Yasmina est une bonne élève, elle doit continuer ses efforts. C'est bien, ma fille. Je suis fière de toi. Viens. Allez, ton frère, maintenant. Allez. Alors. Français 5. C'est sur 10 aussi. Oui. Histoire-géographie 5.
C'est juste, hein. Ça va, il a la moyenne, quand même. Attends, il y a une appréciation. Élève doué peut mieux faire. Qu'est-ce qui se passe, là, vous deux? Rien, non. Rien? Ah, Madame Bacouche, vous travaillez dans mon immeuble? Oui. Je suis le professeur principal de votre fils, Mustapha. Il y a un problème? Oui, un gros problème. Vous avez une minute que je vous en parle? Bien sûr. Allez, je vous offre un café. Comment? Tu m'expliques? On rentre. Faites là. Je cherche Monsieur Bacouche, Kader. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est mon père. Yasmina? Oui. Kader, il est là, juste à droite. Merci. Ah, Yasmina. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je viens de lire mes notes. Maman, elle a dit qu'à partir de maintenant, on devait venir te lire nos notes. Ici? Alors, moi, j'ai 8 sur 10 de moyenne. C'est bien, ça. C'est bien, ces 8 sur 10. Et ton frère, il a combien, ton frère? Mustapha, lui, il a 2. Tu vas pas l'aider, toi? Si, je vais l'aider. Faut pas qu'il devienne maçon comme son père. Fait pas chaud ici, hein? Il sait lire? Il sait écrire, au moins? Oui, il sait lire. C'est bien, ça. Je vais te passer ma veste. Je vais te passer ma veste. Tu mets toujours des gants pour travailler? Oui. C'est pour garder de belles mains, ma fille. Tu vois, pardon, Paul. Alors, vous écrivez maintenant le 1, le 2, le 3. Tu peux t'asseoir. Allez, on reprend. Le 5. Je vois un ami et je dis bonjour. Mmh. Tu vois un ami et tu dis bonjour. Mmh. Ouais, bravo, bravo, moi. Tu l'as appliqué le boulot des Français, c'est bien. Pas des Français, des feignasses comme toi. Et ton buffet? Ah bah, il a pas supporté Georges Marchais à la télé l'autre jour, il a flanqué un coup de pied dedans. Si je fais que je supporte pas un type qui passe à la télé, je donnais un coup. Oui, mais toi, tu bois quand t'as soif, ce qui n'est pas le cas de ma progéniture.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul morceau attends, de mouche... Tu vas trop vite. Pardon. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Maman, tu peux m'aider pour mon cours d'anglais? J'y arrive pas. Et j'ai un contrôle demain. Non, je peux pas. Demande à ta sœur. Fort dépourvu. Je jouerai. Non, t'as oublié quelque chose? Bah non. Si, avec les verbes du premier groupe, c'est l'infinitif ou c'est terminé. Oui, bien. Non, mais il est trop vieux, on gagnera jamais dans 3 ans avec lui. Faut prendre le parti par notre bout, sinon. Michel, il y a des clients en terrasse. T'es seule depuis quand, Simone? Ah, trop longtemps. Pourquoi? Ça doit être mon destin. Non, ton mektoub, il est là, dans les agences matrimoniales. Bah, mon âge, t'es folle. Et justement, chaque année, pour toi, représente 10 ans maintenant. Faut que tu profites de chaque instant. Bon, alors, je vais passer une annonce. Femme, 60 ans, cherche homme, même génération. Non. Non, femme charmante, pleine de vie. Oh, tu crois? Mais oui. Pleine de vie et d'envie, ne cherche plus l'homme de sa vie, mais un homme exceptionnel jusqu'à la fin de sa vie. Je peux pas écrire ça, c'est de la poésie. Oh, n'importe quoi. Non, puis un homme pour la fin de sa vie, c'est pessimiste. Non, c'est réaliste. Ça, c'est mieux que ton annonce de type SPA. Femme cherche homme. Hein. Allez les verts, allez, oui, allez les verts. Allez les verts! Je pense que vous recevez l'ambiance exceptionnelle qui va être. Allez les verts! Tiens, mets les dates de naissance de vous quatre. Après, tu vas me chercher le François avec les suppléments PMU. D'accord. Allez les verts! Oh, c'est les rues, il y a c'est les rues à la télé! Oh, s'il vous plaît! De la rue! L'État annonce la suspension de l'immigration des familles étrangères. Il décide aussi de l'extension de l'aide au retour, c'est-à-dire ce pécule de 10 000 francs pour inciter les immigrés au chômage à regagner leur pays. Extension à l'ensemble des immigrés qui travaillent en France depuis au moins 5 ans. Les Verts jouent ce soir chez eux les chances de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe d'Europe et peut-être la victoire. En tout cas, leur rôle est en direct avec nous de Saint-Etienne, Robert Chapat. La grande nouvelle, c'est la première défection de la Coupe Salut Kader. Salut Samir.
Alors, comment on va? Tu t'en vas? Ouais. Mais définitif? Allez, simple. Mais t'as pas peur pour ta retraite? Avec la prime au retour, j'ouvre un commerce au pays, je n'aurai plus de patron. T'as rendu ta carte, quoi? La mienne et celle de ma femme, on sait jamais. Ta fille qui arrive? Elle a poussé. Mago. C'est aussi pour ça que je pars. Pourquoi? Mes gosses. Allez. Bonjour. Bonne route, Samir. Hein? Allez. Prends soin de ta famille. Allez, prends soin de toi. On se revoit là-bas, Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. Bonne route. Nous aussi, on rentrera. Il est pas un peu serré, ce pantalon? Bah, non, papa. C'est à la mode. À la mode. Je suis venu pour demander un dossier d'aide au retour, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tenez, nous voici. Merci. Oh, Kader! Kader, oh! Hé, hey, Kader, pourquoi les portes, elles sont pas mises? Et les fenêtres? Je sais pas, ils ont dit qu'ils arrivaient cet après-midi, ça fait 3 jours qu'on les attend. Alors en attendant, on gagne du temps? Bah d'accord, mais ça, faut en parler à Mouloud, hein. Je vais en reparler à Mouloud, ouais. Bon, ça va sinon? Ça va, ça va. Il paraît que tu vas prendre les 10 000 francs et que tu vas partir chez toi. Bah, mignon, dans mon village, ouais. Attends, si tu prends leur argent, tu rends ta carte de séjour et tu reviens plus ici. Ouais, je sais. Faut bien réfléchir. T'as une maison là-bas? Non. J'ai hérité du terrain de mon père, mais on n'a pas encore la maison. Je mette un peu d'argent de côté, quoi. Ça, ça pourrait m'aider. Écoute, moi j'ai ma maison au Portugal. Je l'ai construite de mes mains, année après année, chaque vacances. Et je finirai ma retraite là-bas. Ça. Ça vaut plus que 10 000 balles. Attention, attention! Cassez, Kader. Bouge pas. Louise. Comment il va, Louise? Il est dans le coma, Kader. Monsieur Bakouche, ça va? Désolée. Madame Bakouche, je peux vous voir une minute? Vous avez trouvé? Toujours rien. Mais on peut pas prendre un autre sang que son groupe? Non, madame, sinon nous l'aurions déjà fait, mais votre mari est A négatif, c'est très rare. Et il nous reste encore combien de temps? Peu de temps. Sinon, ses organes seront touchés de manière irréversible. Plus serré comme pantalon.
Maman, j'ai fait un cauchemar. Je peux mieux dormir avec toi? Bien sûr, mon chéri, viens. Ça va? Comment il va, ton cadet? Sa jambe, ça s'arrange, mais c'est le sang. On n'en trouve pas. Ça fait plusieurs jours qu'on cherche. Plusieurs jours pour une transfusion? Il est d'un groupe très rare, à moins. Il y a très peu de donneurs. À moins? Jamais il y a un truc qui te passe par le cerveau et que tu veux que ça sorte par la bouche, n'hésite pas. Hein. Quoi tu parles? Je sais pas, par exemple, merci. Merci. Moi, j'ai ma maison au Portugal. Je l'ai construite de mes mains, année après année, chaque vacances. Je finirai ma retraite là-bas. Entends bien. Ça, ça vaut plus que 10 000 balles. Cette aide au retour va être étendue à d'autres catégories d'immigrés non chômeurs, et cela à partir du 1er octobre. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main-d'œuvre étrangère en France, parce que tout nous montre autour de nous, le bon sens dans la vie quotidienne, que par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé, nous changeons d'époque et il y aura probablement dans les 15 années qui viennent une diminution régulière de la main-d'œuvre étrangère en France. Et dans 10 ans ou dans 15 ans, nous serons revenus à des chiffres qui sont à peu près ceux des années 60. Il y a 10 ou 15. C'est-à-dire, combien voulez-vous à peu près? Je ne sais pas, je n'ai pas d'objectif chiffre. Ben alors, à bientôt. Au revoir. Alors? Il m'emmène en vacances avec lui 15 jours. Où ça? À Marrakech. Oh, il fait chaud là-bas, hein? Ma peau a besoin de soleil, mon cœur a besoin de tendresse. Je me suis trouvé un vieux. Je suis contente pour vous, Simone. Et moi aussi, parce que c'est ça. C'est qui crève plus jeune que nous. Non, c'est pas possible, tu peux pas prendre ça à la légère. Tu comprends, la première fois, c'est la première fois. Il faut que tu te protèges. Je sais, mais je me vois pas rentrer dans une pharmacie du quartier pour demander ça. Tu peux aller dans une pharmacie à Paris, hein? J'ai trop honte. À Paris aussi, c'est pareil. Ok, je vais le faire. Merci, Tata. Tata de service, hein. Non, mais tu m'imagines, moi, à mon âge, entrer dans une pharmacie pour des préservatifs. Ma chérie. Je suis dégoûtée. C'est moi! C'est un problème très délicat que nous allons aborder ensemble cet après-midi. Aujourd'hui, en effet, nous allons parler de la frigidité. Je crois que c'est difficile de définir la frigidité, que le terme même de frigidité est très discutable.
Personnellement, je préfère celui d'insuffisance sexuelle. La frigidité, en effet, c'est une définition tout à fait subjective. C'est celui qui n'est pas satisfait, ou plus exactement celle, qui n'est pas satisfait de sa vie sexuelle. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de bouger. D'où différent. Ah. Ça va? Ça va, ça va. Tu la regardes, toi, cette émission? Quand je suis là, oui. Elle me donne des conseils de cuisine et comment éduquer les enfants. Rien d'autre. T'inquiète pas. Quand il y a des cochonneries, je me bouche les oreilles. Des fois que j'apprendrai quelque chose. Allô? Madame Bacouche! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en retard! Je sais, j'étais malade aujourd'hui, j'allais vous téléphoner. Pas la peine, vous êtes virée. Quoi? Virée, vous m'entendez? C'était qui? Bon, tu vas être sur mon dos comme ça pendant 3 semaines, toi? Oui, au moins, ouais. Pourquoi tu t'énerves? Si tu veux manger et nourrir tes enfants, je dois aller faire des courses. Tout engage. L'absence donc de jouissance, si vous voulez, et nous savons actuellement en laboratoire enregistrer des courbes qui objectivent véritablement. C'est la présence ou l'absence d'orgasme. Nous pouvons enregistrer les courbes des contractions spasmodiques de la plateforme vaginale, de l'utérus. Je voulais t'avoir dit que tu étais virée. Tu comprends pas le français. Parfaitement. Mais j'avais juste un petit mot à dire à mes collègues. Un petit mot? Oui, j'allais leur expliquer qu'il y a quelques erreurs sur nos fiches de paye. De 10 francs, entre le salaire net et le chèque que vous nous remettez. Vous vous imaginez si l'URSSAF était mise au courant? Tu sais lire? Oui, j'ai appris, c'est bête, hein? Alors vous me reprenez, vu qu'il faut rectifier les erreurs de la comptable? Tu as raison. La comptable s'est trompée. Ah, mais tu me fais mal! Ça y est, ça y est. Voilà. Allez, libéré. Il y a du petit de mollet. Attends, attends. Ouais, normal ça. Voilà. Excuse-moi, tu es bien la sœur de Yasmina? Sa sœur? Oui, je viens de te voir prendre leur courrier dans la boîte aux lettres. Donc... Oui, oui. En fait, on est censé avoir rendez-vous dans 1 heure. Et je voulais savoir si tu pouvais lui confirmer notre rendez-vous. Dans 1 heure? Oui. Vous êtes dans le même lycée? Oui, je suis dans sa classe et... Mais je dois dire que je l'aime beaucoup et qu'on passe beaucoup de temps ensemble, donc voilà, je... Tu t'appelles comment? Je m'appelle David. Yasmina! Yasmina! Tu crois au destin ou quoi? Au Mektoum? Ouais, si tu veux. Il y a grève nationale des profs. Non, on n'a pas cours. Tu veux voir David? Ouais, pourquoi pas? Ouais, parce que ma mère travaille toute la journée, donc si tu veux, je te file les clés. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? Hein? Rien, papa, je te jure, la grève des profs. Je peux aller le voir à la télé. La grève des profs? Mmh. Elle est où, ta sœur? Je sais pas. Je te jure, papa, je sais pas. Elle est peut-être chez Valérie. Pas que ça l'irait, s'il te plaît. Attends, je voulais qu'on discute un peu. On peut discuter tout en faisant le lit. Écoute, Yasmina, je te respecte et je suis vraiment fier que tu m'aies donné ta virginité. On va pas se marier quand même. Pourquoi pas? On est encore un peu jeunes. L'année prochaine, on est majeur. Bon, pour avoir des enfants, c'est encore un peu tôt, je suis d'accord, mais... Je suis persuadé que tu feras une bonne mère. C'est comme ça que tu me vois? T'es bien une femme, non? Les femmes s'occupent toujours des enfants. Écoute, David, j'ai aucune envie de pondre des gosses, hein. Je veux travailler pour avoir mon argent. Je veux dépendre d'aucun homme. Tu comprends ça? Non, pas vraiment. Je veux pas vivre avec un type qui pense comme mon père. Yasmina, attends. Je vais avoir une relation sérieuse avec toi. Écoute, David, ma virginité, je te l'ai pas offerte. Je l'ai perdue, tout comme toi. Un pot, c'est tout. Pourquoi t'es pas à la maison, toi?
J'étais chez Valérie, je faisais mes devoirs. Yasmina, Yasmina! C'est lui, Valérie. Tu sais, maintenant tu récoltes. Ta fille, c'est une putain. Calme-toi, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il était nu! Il a raison, Samir. Ils ont eu raison de partir. Faut pas les laisser grandir en France, nos enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas lui dire, toi, à son mari, à Yasmina, qu'elle est plus vierge, ta fille? J'espère surtout qu'elle est pas enceinte. Et je te rappelle que j'étais pas vierge quand tu m'as épousée. Nous, c'est pas pareil. On était chez nous. Tu te rappelles de cette boîte? Notre pacte? Tu t'en souviens de cette boîte, Myriam? Ah, tu sais lire maintenant, hein? C'est toi qui vas aller remplir les dossiers à l'aide de retour. Mais jamais. Jamais. Tu veux rester ici? Je pense surtout à l'avenir de mes enfants. Et moi, pas ces restants de ta fille, Myriam. Tu m'as vraiment déçue, Yasmina. Ça, on en parlera plus tard. Maintenant, tout ce que je te demande, c'est de réviser, d'avoir ton bac. Pour cette histoire du bled, tu t'inquiètes pas. D'accord? J'irai jamais. Jamais. Fais-moi confiance. Madame Bagouche! Oui? Madame Bagouche! C'est pas l'heure méditerranéenne ici. Je suis désolée, monsieur, j'ai un fils malade. C'est pas mon problème. Il faut que tu signes un contrat. Vous allez m'augmenter? Vous allez pas? Très drôle. Non, maintenant, il faut que je te déclare. Tu as des papiers en règle? Oui, j'ai ma carte de séjour. Une vraie. Au travail. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve plus ma carte de séjour. C'est moi qui l'ai. Quoi? Et pourquoi? Pour doubler les rues, comme ça on a 2 millions. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, maman. À demain. Bonne nuit. Veillez pas trop tard. Mmh. Je veux nous ramener en Algérie. C'est une question de jour. Et sans ma carte de séjour, je peux rien faire. Tu l'as vraiment viré de ton lit? Et comment? Mais je dépends de lui financièrement. Il manque plus que la ceinture de chasteté, hein. Oui, oh, faut voir les femmes aujourd'hui, hein. Oh, ça va, Simone. On a d'autres soucis que les vêtements que je porte. C'est pas le moment. Arrêtez de vous disputer. Eh, moi, mon premier mari me piquait tout le temps mon fric et mes papiers. Il y a un moyen très simple de la récupérer, ta carte de séjour. Et comment? Déclaration de perte au commissariat. On fait? Ouais. Yo, hey, moi je te donne mon point de vue, hein, quelle heure? T'as vraiment raison de rentrer au pays. Mais t'as mille fois raison, je t'explique. Moins nombreux vous serez ici, plus nombreux vous serez là-bas. Comme ça, tu vois, tout le monde s'y retrouve. Tu pourrais peut-être récupérer mon F5? Il n'y a pas de conneries, moi. Ils vont le refiler à une famille de bou... de... Bougnoul. Hein? Bougnoul. Ouais. Tu voulais dire Bougnoul. Bon, toi, c'est pas pareil, toi. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Dis-moi, sinon... Tes gosses, tu les ramènes au pays?
Ah oui, oui, oui. Alors tu mets chacun de leurs prénoms. Ah, je sais pas s'il va y avoir assez de place, là. Alors, moi. Ok. Au plaisir. Attends. Oula, on a un problème, là. Oula, là, on a un gros problème, là. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il dit tes enfants sont français. Mais je suis le père, moi, je suis algérien. Ah, c'est sûr, mais... Ils disent que c'est le droit du sol, et là, tu peux rien faire. Je suis algérien, mes enfants sont français, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, je sais, c'est con, quoi. Je sais. Je comprends rien. Myriam, j'ai essayé de lui parler, crois-moi. Il veut rien entendre. Essaie encore, je t'en prie. Autant demander à un chat d'aboyer. Et ton mari va retourner en Algérie. C'est une idée fixe. Alors il va me perdre. On est pris, monsieur Deschamps. J'arrive. Je te laisse. Merci encore, Patrick. Attends. Je t'écris ça. Tu sais, pour les élections, je peux pas voter, mais le cœur y est. Si ton cœur est avec moi... Chère Myriam, puisque tu sais désormais lire, je t'écris aujourd'hui ce que je n'ai jamais osé te dire. Je t'aime. Je sais qu'on ne pourra pas vivre cet amour, mais je me sens plus léger de te l'avoir avoué. Tu pourras toujours compter sur moi, Patrick. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, madame. Et ta jambe, ça va bien? Ça va, ça va, j'ai guéri. T'es guéri? Ah ouais, ça va mieux alors. Voilà. Retourne au pays, je suis venu vous dire au revoir, les gars. Ah ouais? Alors, bonne chance à toi. Terminé. Ok. Au revoir. Plaisir. Hein. Bonne chance à toi. Merci. Bonne continuation. Merci. Allez. C'est la bise? Ouais. Porte au pays. Ouais. Bon courage. Merci. Inch'Allah. Oh, l'Aïd. Au revoir, mon frère. Au revoir. Bon retour. Au revoir, Bakouche. Bonjour, monsieur Bourra. On va travailler à la conférence, c'est ça? Je rentre au pays, monsieur. J'ai accepté l'aide Stoléru. Stoléru? Mais c'est 10 000 balles, quoi. Ouais. Tu te l'es fait en 3 mois ici, hein? C'est pas possible, ça, monsieur. Bien. Non, en tant que maçon, non. C'est pas possible. En chef de chantier. Ou quoi? Oui, t'as bien entendu. Oui, je sais. Je sais que Louis est mort et... il seul à avoir l'expérience nécessaire. Écoute. Hé. D'accord. T'y penses, moi? J'y réfléchis. Vraiment? Merci, c'est gentil. Normal. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que je devienne chef de chantier. Bah, c'est pas mal.
J'ai fait changer la serrure et je vais changer de vie, Kader. D'où tu sors ce pantalon? De l'armoire de ta fille. Et c'est pas Cécile qui m'a influencée. J'ai une idée toute seule comme une grande. Donne-moi les clés. Moi aussi, et les enfants aussi. Tu veux vivre seule, c'est ça? Peut-être, oui. Nos enfants ne parlent pas un mot d'arabe, Kader. Ils apprendront en plusieurs années, petit à petit, à chaque fois qu'on ira. Mais de quoi tu parles? Chaque année, on ira en Algérie. D'accord? Tu vois l'R16 là-bas? Oui, et? Et à nous? Et t'as gagné au loto? Presque, presque. Qu'est-ce que c'est? C'est mon nouveau contrat de chef de chantier. J'ai dit d'abord, faut que ma femme le lise. Le plus important, c'est en bas. Tu vois le chiffre en bas? C'est mon nouveau salaire. Multiplié par 4. Myriam, je suis mieux payé qu'un ministre en Algérie. C'est bien pour toi, Psartek. Pour moi? Pour nous? Elle est à nous, la R16. Mais tu crois vraiment que tu peux m'acheter avec une voiture, Kader? Une voiture maintenant. Alors tu me dis où tu veux aller, je t'emmène. Il y a un endroit où je veux aller depuis que je suis arrivée en France. Mais tu vas jamais vouloir. Eh ben dis toujours. C'est mon pays. C'est là. Mais ça s'est joué tellement peu, je rappellerai de lui, Kader. S'il n'y avait pas Mitterrand... Mitterrand... Il n'a pas les mains propres, lui. J'ai attendu 60 ans pour tomber amoureuse. Et à la fin de ma vie, une nouvelle vie commence. Ça vous a fait du bien, ce voyage, hein? Ouais, ça m'a permis de réfléchir. C'est pas comme moi, Myriam. J'ai un mari et je l'aime, Simone. Moi, ouais, d'accord, mais écoute mon testament, quand même. Oublie tes enfants de temps en temps et occupe-toi de toi et de l'homme que t'aimes. C'est promis. Allez, on se démarre. Allez! Et yalla! Ne changez surtout pas. Nana? Et tu vas où? C'est quoi ça? C'est qui lui? C'est mon amant. Ton quoi? Dis donc, Robert, t'es pas né dans un chou? Il a bien fallu que ton père biologique mette 2-3 gouttes de sperme. Mais de quoi tu me parles? Je sais comment on fait des gosses. À 40 ans, t'es plus un enfant. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ma fille. Prends bien soin de toi. Et merci pour tout. Et là, tu t'en vas. Hein? Et qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est elle est plus là. Oh, maman! Maman! Reviens!
Ça va à l'école? Ça va. Ouais. T'as des bonnes notes? Ouais. C'est quoi ta classe cette année? Terminale. Terminale? Après, c'est terminé? Non, après, hein? C'est l'université. Université? Ouais. C'est bien ça. Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui à l'école? On a fait de la philo. T'as quoi? De la philosophie. Ah, c'est bien la philosophie, c'est bien. Tu sais ce qu'il disait ton grand-père? Quoi? Malheur aux parents qui enseignent l'ignorance à leurs enfants. Pourquoi tu sais pas lire, toi? Ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est notre époque. Genève, c'est l'international. Oui. 213, c'est le bled. Oui, c'est le bled. Le reste du numéro, c'est le numéro de ton oncle, mon frère. Ça, tu sais tout. Ça sonne. C'est bon, ça suffit pour maintenant. Vas-y, prends-moi l'argent. Attends dehors. Allô? Allô? Salam alaikum. Ça va? C'est Kader! Ouais, ouais, ça va, ça va, il fait beau ici! Écoute, il est là, Hossine! Pas de problème, je t'envoie le billet demain, tu le reçois dans une semaine et je passe chercher Hossine à l'aéroport. Ça marche! T'as fait bon voyage? Rapide! 2 heures! Juste tu montes, tu redescends direct! Alors, ma future femme, elle est pas là? Pas si simple aussi, hein? Ben mon Algérie, c'est compliqué. Je l'ai vue, hein, sur les photos, hein. Sahit, hein. Elle est très belle. Tu es en France, ici. Yasmina n'est encore ni ta fiancée, ni ta femme. Mais je croyais que tout était arrangé, moi. Ici, on n'arrange plus les mariages, Rossine. Rossine, il faut que tu trouves le chemin qui mène à son cœur, tu comprends ça? Ah bon? Eh ben, tu sais quoi, moi, au bled, on m'appelle la carte routière. Tous les chemins, je les connais. Y a pas de problème. C'est bien, c'est bien. Tu sais, mon oncle, elle est vraiment belle, ta R16. Elle est pas moi, elle est à la banque. Je rembourse le crédit. C'est tout neuf, ici? Je vous présente Rossine, mon neveu. Votre cousin, les enfants. Bonjour. Myriam, ma femme. Yasmina. Mustapha. Tarek. Et le petit dernier, Mehdi. Bon, ben voilà, il est venu passer quelques semaines chez nous en France. Il est étudiant en médecine. Il est venu découvrir la France, voilà, je te présenterai docteur Bismuth, d'ailleurs, qui habite juste au-dessus, il te donnera des petits conseils. Ah, Sarah. Ah, c'est un très bon docteur. Voilà. Ben, assieds-toi, installe-toi, je t'en prie. Bon, je reviens. Je pense que vous partez en jaguar, comme ça. Allez, ciao. Bonsoir, maman. Bonsoir. Khalti, ça sent très bon, hein. Ce soir, je vais faire honneur à ton plat. Tiens, si t'as 2 minutes, Hossine, tu vas m'aider. Joue à un jeu sur la médecine, on peut gagner jusqu'à 1000 francs. Hmm? Alors... La longueur des intestins. Les intestins. Goule. Ça dépend. Donne-moi un chiffre. 1 mètre ou la 3 mètres, je pense, hein, à peu près. J'en suis sûre maintenant. T'es pas du tout étudiant en médecine. Si je suis étudiant, c'est que je suis pas encore médecin. Comment veux-tu que je te réponde? Kader. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te parler de Hossine. Ne me fais pas passer pour un perroquet. Je te l'ai dit, il est étudiant en médecine, il est venu à Paris faire un stage. Faut pas que tu compliques tout. Il ressemble plus à un étudiant en combine pour moi. La mauvaise langue, ça te ressemble pas, Myriam. Et le regard qu'il pose sur ta fille, tu trouves ça normal?
Je te rappelle que la dernière fois qu'un homme m'a regardé comme ça, tu l'as envoyé à l'hôpital. Il n'a pas fait que te regarder. C'est pas pareil. Et elle est où la différence? T'es pas une femme, t'es une épouse. Je voulais te dire, je crois qu'avec Yasmina, ça va pas être possible. J'ai tout fait et elle m'aime pas. Mais si, tu sois patient, ça va. Ça va marcher, tu vois. Non, je crois que elle est pas faite pour moi, elle est trop française. Elle parle aux garçons, elle met des jeans. Je peux pas la ramener au bled. Les oiseaux qui ne sont pas en cage sont les plus beaux aussi. Les attraper, c'est tout un art. Hein? Mais c'est ta femme, là? Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Si, si, regarde! Qu'est-ce qu'elle fait, là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que j'ai pas compris ton petit manège. T'as rendez-vous avec ton amant, c'est ça? C'est Patrick, hein? C'est Patrick Deschamps. Qu'est-ce que tu racontes? Il habite même pas ici? Et alors, il a peut-être... Comment ils disent les Français? Il a peut-être loué une garçonnière? N'importe quoi. Tu connais qui dans cet immeuble, Myriam? Personne! Alors qu'est-ce que tu fais ici? Elles sont où les boîtes aux lettres? Elles sont là-bas, pourquoi? Ah, il est con, Kader, hein? Il sait pas lire, Kader, hein? Ah, vous avez dû bien vous amuser tous les deux là-haut, hein? Seulement, je les ai collés, moi, ces affiches, Kader, à ce salaud! Kader, je travaille! Je fais des ménages. Ma femme fait des ménages? Qui c'est qui t'a dit de faire des ménages? Quand t'as voulu repartir au bled, j'ai eu peur. Alors j'ai pris ce travail pour financer les études des enfants. Une assurance. Une assurance? C'est pour l'avenir des enfants, Kader. Je travaille tous les jours pour le futur de mes enfants. Elle est où, cette assurance? Elle est où, cette assurance, Myriam? Je préviens, Myriam. Bonjour. Je suis le mari de Madame Bacouche. Est-ce que ma femme a pris une assurance chez vous? Oui, Monsieur Bacouche, nous avons un dossier ouvert au nom de votre famille. Tu vois, je t'avais dit la vérité. Ce dossier concerne plus spécifiquement... Oui, c'est bon, monsieur. Mon mari voulait juste savoir si l'assurance existe. Bien sûr, Monsieur Bacouche. Enfin, écoutez, d'ailleurs, si vous permettez... On vous a dit c'est bon. Allez, on y va, Kader. Attends. Que je sais pas ce que c'est, une assurance vie. Tes enfants, c'est mes enfants. Je triple le montant de l'assurance, monsieur. C'est parfait. Quoi? Je veux pas que ma femme travaille. Si tu payes cette prime, je te promets de plus jamais travailler. Je te le promets. Bon. C'est toi qui signes. Bonjour. Au revoir. Écoute, Yasmina, moi, ma priorité, là, c'est le bac. Faut vraiment que tu me rendes ce service, David, je t'en prie. Attends, t'as vu ton père la dernière fois? J'ai aucune envie de le recroiser. Et on parle pas de mon père, là, je veux... Je veux juste savoir comment va ta grand-mère. Ma grand-mère?
Mon oncle a peur que sa fille parte avec un Français. C'est qui cet oncle ? C'est mon père. Continuez. D'ailleurs, d'après son frère Mustapha, elle sortirait avec un certain David Benchemoul. Je comprends pas, mamie, ça doit être un homonyme. Il est possible qu'elle ne soit plus vierge. Toi, avec tes services... Attends, je pouvais pas deviner qu'elle avait écrit ça. T'aurais pu t'en douter, quand même. Eh, ça suffit, tous les deux, hein. La guerre, c'est pour là-bas, c'est pas pour ici. Allez, je continue. Son père espère la présenter à ma famille cet été. Eh, tu as de la chance, ma fille. Tu vas voir l'Algérie. La chance, ce serait de rester ici, dans le pays où je suis née, en France. Madame Bakouche, pourquoi voulez-vous émanciper votre fille ? Mon mari veut la marier à un cousin. Un mariage forcé. Sur le plan légal, vous pouvez engager une procédure. Et après, plus personne n'aura autorité sur elle. Même pas vous, madame. Vous avez de la chance, mademoiselle. La loi date de l'année dernière. Mademoiselle Yasmina Bakouche, voulez-vous être mineure émancipée ? Oui, monsieur le juge. Mademoiselle, messieurs, vous avez 4 heures à partir de maintenant. Madame Bakouche, que me vaut cet honneur ? On a toujours besoin de travailler ? En général, quand les femmes reprennent le ménage, c'est qu'elles divorcent. C'est pas mon cas. Vous me reprenez, oui ou non ? Oui. Et pas de vague. Juste un peu, promis. À bientôt. C'est beau, hein? Allez, viens, tonton, dépêche-toi, ils nous attendent. Magnifique. Magnifique. T'as bien noté l'adresse du foyer? Oui. Tiens, je t'en enverrai tous les mois. Non. Yasmina. Arioul. Allez, allez. Bonjour. Tarek, Mehdi, Mustapha, Yasmina. Tout le monde dans le salon. Tarek et Mehdi sont en Belgique à leur tournoi de foot. J'ai oublié. Bon. Les enfants. J'ai une petite surprise. Cet été. Tout le monde au bled. Ça y est, on a les billets. C'est tout l'effet que ça vous fait. Qu'est-ce qu'il y a, Yasmina ? Ça va pas ? Si. T'as pas envie de voir l'Algérie, c'est ça ? N'insiste pas, elle te dit qu'elle a rien. Attendez, un bac, c'est pas rien. Je sais pas si je vais m'en saper. Qu'est-ce qu'il a dit ? T'as très bien entendu. La fille est bachelière. Ouh ! Psahtek, hein ? Bravo.
Sahtek. C'est bon, je suis pas la seule en France. Hein. Yasmina. Ma fille, c'est vrai? Ouais. C'est bien, ma fille. C'est bien. Je suis fière de toi, mon papa. T'es la première à ma couche à avoir son bac. C'est bien, ma fille. Bon, allez, on appelle tout le monde, on se retrouve chez Hassan, tout va bien. On va fêter ça. Moustapha, éteins cette télé, toi. Dépêche-toi. C'est tout l'effet que ça te fait. C'est toi le prochain, hein, je te préviens. Bon, et cet été, tout le monde au bled. Moi, j'attends ça avec impatience, hein. Ben, ma fille. Allez, on y va, c'est parti. Tu sais, hein, au bled, il y a toujours quelqu'un pour toi. Yasmina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a envie de rester seule 5 minutes, elle va nous rejoindre. Yasmina est une bonne élève, elle doit continuer ses efforts. C'est bien, ma fille, je suis fière de toi. Yasmina, baisse la musique, s'il te plaît. Je te demande si tu as besoin d'un prêt pour acheter de l'électroménager. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. À demain. Les amis, je vous ai réunis ce soir parce que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai aussi une pensée pour mon beau-frère Mustapha. C'est lui qui a décidé de faire venir sa sœur, ma femme, en France. Et aujourd'hui, la réussite de ma fille prouve qu'il avait raison. Quitter sa terre, c'est mourir un peu. Mais rester là-bas, pour moi, c'était la misère à chaque repas. Alors aujourd'hui, en ce jour exceptionnel, je suis fier et heureux d'avoir traversé toutes ces épreuves auprès de mon épouse. Merci Yasmina de faire briller le nom des Bakouches au pays des Lumières. Merci ma fille. Elle va aller très loin, Yasmina. Tu sais, les femmes ont de plus en plus de postes à responsabilité. Même les immigrés? Elle est française, ta fille. Donc t'es en train de me dire qu'elle peut finir avocate ou médecin, c'est ça? À finir, commencer. Alors? Avocate. Ça me plaît, ça, moi, avocate. Mon oncle! You, 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 you! Eh, hey, tu vas nous en faire un joli, hein, mariage au bled, hein? Écoute, Hossein. Il n'y a plus de mariage. Quoi? J'aurai les cheveux blancs que ma fille, elle sera encore à l'université. Ta fille, elle est française. Et tes petits-enfants? Ça va devenir des moitiés moutons, moitiés cochons. C'est ça que tu veux? Ma fille, elle écrira son propre destin. Toi, occupe-toi de ton destin. Quoi? T'as pas trouvé le chemin qui mène à son cœur? Moi, je vais te montrer le chemin qui mène à Orly. Maintenant, reste poli. D'épouse.
on fait quoi, là? On n'a pas passé une bonne nuit? On va bosser, maintenant. C'est quoi qui vous fait peur? C'est cette petite pluie ou quoi? On le finit, ce chantier, là. On y va, maintenant. Vous montez, après, on vous suit. Faut toujours que tu le ramènes, Kassem. Fais attention, hein. Article 22, chef. À l'abri quand il pleut. C'est avec les syndicats que tu t'arranges, pas avec moi. On m'emmerde pas sur mon chantier. On y va, maintenant. Allez, on y va, là. Stop, 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 stop. Je m'excuse, mais c'est impossible. Cette tombe est orientée vers l'ouest, alors qu'elle doit être orientée vers l'est, vers la Mecque. Je suis désolé, madame. Je peux pas bénir la tombe de votre défunt mari. Je comprends. Vous pouvez pas faire une exception? Désolé, aucune. Excusez-moi, madame. Je suis veuve, moi aussi. Et vous allez peut-être pas comprendre ce que je vais vous demander, mais je voudrais qu'on inverse les concessions pour que le cercueil de mon mari soit vers la Mecque, vers l'Est. Je suis de confession musulmane et c'est très important pour nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب ترحمنا وترحم جميع المسلمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب Les gens qui nous quittent ne meurent pas. Ils demeurent à tout jamais dans nos cœurs et dans nos pensées. Regardez les étoiles dans le ciel. Elles sont mortes. Et pourtant, nous les voyons. Nous ignorons tout des mondes qui nous entourent. Maman? Maman? Toutes mes condoléances pour Kader. Merci. Tu sais, je supporte pas les enterrements. Je suis pas allée à celui de ma mère, je suis pas allée à celui du père de Robert. Tu fais ce que tu veux, Simone. Je voulais te dire, le prends pas mal. Kader est mort, mais pour toi, la vie continue. T'es encore très jeune. Et puis bon, j'habite plus ici, mais pour toi, je serai toujours là. Merci. Par sa mort, votre père vous a donné les moyens de réaliser un rêve, votre projet pour la vie. Que vous voulez faire, mes enfants? Je veux être cosmonaute. Footballeur. Je veux être mon patron, ouvrir un restaurant. Je veux être architecte, Inch'Allah. Je vais tout faire pour que vous réalisiez vos rêves. Mais n'oubliez jamais que la seule chose qui a poussé votre père à émigrer, c'est que vous ayez une vie meilleure. L'oubliez jamais pour lui. Abraham allait sacrifier son enfant, la chair de sa chair. Votre père s'est sacrifié pour vous, ses enfants, pour que vous puissiez avoir une vie meilleure. C'est l'unique raison qui l'a poussé à émigrer. Ne l'oubliez jamais et écrivez de votre main votre propre destin. Mademoiselle Bakouche, en avance.
تنيات فوق من طاقة بيها مشموم تنيات فوق من طاقة بيها مشموم.